Yo, yo, yo. On m'entend? Ouais. On devrait m'entendre. Comment ça va tout le monde, les gars? La voix rock, j'ai pas encore parlé. Bah là maintenant je viens de parler, depuis mon réveil. Je devrais m'entraîner à parler avant pour pas que j'ai la voix rock un peu, parce que là je sens que j'ai la voix rock du réveil. Comment ça va, les gars? Attendez, comment je me mets? Ah putain, va falloir que. Je voulais configurer un truc, bon je vais pas le faire en direct, c'est pas grave. Yo Dorado, comment ça va? Salut Serge Abitbol. On va démarrer ce stream en parlant vite fait juste d'un post qui m'a pas plu. C'est à cause du foot au stade hier. J'ai gueulé un peu, mais pas trop non plus. Alors, ça me saoulait d'ailleurs, j'étais frustré parce que je voulais chanter les chants donc de l'équipe de Quito, de la Liga de Quito. Mais je comprenais rien, en fait, tu sais que vu qu'il parlait fort. Enfin, je sais pas, tu sais, ça faisait un brouhaha, je voulais chanter, mais je comprenais pas les paroles. J'ai eu la chance à un moment donné pendant le stade, il y a eu les paroles. Je crois, je sais plus, c'était vers la fin du match. Il y a eu les paroles en fait sur l'écran en face de moi, donc ça va, je pouvais lire. Bah forcément, là, du coup, c'était plus simple pour chanter. Donc j'ai essayé de chanter un peu les chants de l'équipe de Quito, quoi, mais c'était vachement cool. Franchement, c'était très très cool, je suis très content. J'ai envie de le dire la vérité, c'est un peu grâce à Kiyou, parce que forcément, moi, je regarde pas les matchs. Que ça soit Copa Libertadores, Copa Sudamérica. Enfin, je regarde pas, tu sais. Enfin, c'est pas des trucs sur lesquels je parie. Donc, au final, je fais même pas gaffe sur ce qu'il y a. Tu vois, par la Ligue des Champions, voilà. Mais ça, c'est plus pour un côté fun, enfin, et passion où je regarde. Et parce que, bah voilà, c'est des choses que j'ai envie de regarder moi-même à la télé. Et c'est un peu grâce. Enfin, c'est grâce à Kiyou qui m'a dit, ah, bah tiens, tu devrais aller au stade du coup. Demi-finale, j'ai fait, ah, ouh. Ouais, c'était énorme. Mais j'ai mis des stories sur mon Insta. Regardez, allez, je vous le mets si vous voulez voir les stories. J'en ai pas fait beaucoup des stories. Mais j'en ai fait un peu où j'ai filmé avant le stade. Dans le stade, avant le match, quand on est arrivé. Puis vers la fin du match, enfin quand il y a eu 2-0. Franchement, Quito les a roulés dessus. Hein. Et ils se sont fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, je suis allé voir les XG. Et c'est là où faut faire gaffe, les gars. Enfin, faut faire gaffe. Les XG, c'est pas une science infuse. Hein. Les XG, faut faire gaffe parce que. Franchement, tu regardes le match, tu regardes les stats, tu vas sur FlashScore qui propose des XG, tu vas sur SofaScore, sur FOTMob, bref, hein, y en a d'autres aussi où il doit y avoir aussi des services payants, tu vois, où ça doit être plus accurate. Mais alors franchement, tu regardes les XG du match Quito contre Defensa y Justicia, tu regardes les XG, enfin le match, toi tu te dis c'est serré, bah, franchement Quito les a roulés dessous. Bon, c'est vrai qu'en deuxième, c'était pas la même. En deuxième mi-temps, c'était pas la même. Mais en première mi-temps, comment Quito les a mais roulé dessus dès le début du match, mais assez simple, mais sur tous les plans, physiquement, enfin, ils ont Defensa y Justicia, ils ont pas vu le jour, ils ont pas réussi à rentrer dans leur match. Ils se sont fait mais éclater. Là, c'est un spot, bah là c'est simple, c'est un spot, t'es en live, tu prends Quito sans hésiter. Bon, après, bon, moi j'étais sur mon vieux téléphone pourri. J'ai failli en plus bet Quito, je voulais bet Quito. Mais en mode fun pour le coup, parce que j'étais au stade en fait, tu vois, il y a un côté fun, tu mets 100 balles, 200 balles, histoire de. En plus, si c'était très favori, et la cote elle a chuté même jusqu'à 1,41. Bon, attendez, je vous salue plutôt que de raconter. Yo, donc Dorado, Serge Abitbol, yo, on va aller évidemment voir la vidéo que t'as postée. Pescador, que je connais en live, dans le chat, on se connaît bien, de Malte. Bon, il est plus à Malte, moi non plus, mais on se connaît très bien, merci d'être là, salut à toi. L'ambiance en Amérique latine est top. Ouais, bah tiens, j'en raconte un petit peu. Ah bah, Kiyou, voilà, You. Yo-Yo, voilà, Kiyou, justement, je parlais de toi. Que je disais que c'était un peu grâce à toi si je suis allé au stade, puisque je check pas les matchs internationaux comme ça, la Libertadores, Copa Sudamérica. Et forcément, quand j'ai vu que ouais, c'était un match qu'il fallait aller voir. Et ouais, donc pour revenir donc sur la remarque de Dorado qui dit l'ambiance en Amérique latine est top. Oui, l'ambiance, elle est top. Et surtout très respectueuse, je trouve, dans les stades. Salut Via, Value au fromage, comment ça va? Surtout l'ambiance très très ouais très respectueuse dans les stades. Je m'explique. Moi qui étais allé beaucoup plus jeune au stade Vélodrome, ok. Bon après il y en a peut-être qui vont me dire le stade Vélodrome, faut pas le comparer à tous les stades. Alors stade Vélodrome incroyable, j'adore ce stade, c'est sublime, l'ambiance est incroyable. Mais il y a en termes de respect, je m'explique. Quand il y a un but à Marseille. Quand moi j'allais souvent, quand j'y allais, j'allais au virage sud, comment il s'appelle le virage sud, merde? Virage sud de Marseille, putain, j'ai déjà perdu, ça fait tellement longtemps. T'as les South Winners en haut et en bas t'as les. Attends, je suis con ou quoi? T'as réduit le délai de ton live? Bah y a pas de délai. Si?
Imagine, il y a un délai. Non, non, il n'y a pas de délai. Comment ça, je comprends pas le délai. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'on réagit plus en live. Les ultras. Putain, waouh. Merci à de prod. Putain, tu m'as sauvé. Putain, c'est con hein, pour un mec qui est allé beaucoup au stade. Ouais. Les ultras. Donc c'est là où j'allais. Ouais, commando ultra en bas. Ouais. En haut, les South Winners. Oui, exactement. Oh, putain, merci. Putain, ça fait longtemps que je suis pas allé. Très longtemps. Bah, j'étais ado, hein. Sérieux, avant, quand on postait un message, on avait 10 secondes avant que ça s'affichait chez toi avec le décalage incroyable. Ah bah putain, c'est pas normal. Enfin, c'est... Alors, c'était pas normal. Si maintenant, c'est... Vous sentez que... Attendez, je vais faire un... Test. Ok, test. Salut Franck, merci les gars. Non, bah merci en tout cas, c'est cool. Merci Yo, Rimone, comment ça va? Ouais, 3-4 secondes. Ok. Ouais, alors ça, je crois que je peux rien y faire. Je sais pas. Alors, peut-être qu'il faut que je clique. Ah, le gros tacle de Rodo. Ouais, je vais en parler vite fait parce que... Donc zéro délai, ouais c'est ça, il y a zéro délai et c'est vrai que bah peut-être la connexion, je sais pas, fait qu'il y a toujours 3-4 secondes avant de qu'un message je le vois quoi. C'est chiant parce qu'il me semblait qu'avant quand j'avais démarré mes streams poker et tout, et que je faisais quelques streams live, j'arrivais à il y avait moins d'une seconde. Je me rappelle, j'avais fait des tests, il y avait littéralement maximum une seconde de délai, et là il y en a 3-4, bon c'est pas grave. Merci d'en parler. Ouais, je vais donc en parler et donc je raconte Quito par rapport au respect, donc quand t'allais au Vélodrome. Donc c'est mon expérience perso et c'est toujours pareil, j'en suis sûr aujourd'hui. Quand il y a un but, eh ben tous les gens qui sont en haut vont en bas. Ils sautent, c'est-à-dire qu'ils sautent de joie. Mais je trouve que c'est aussi un peu un manque de respect parce que certes l'euphorie, excuse-moi, tu peux être euphorique mais contrôlé. Alors que là à Quito, le stade était plein, ok? J'étais donc dans les tribunes nord, pas comment on appelle ça, mais bref, tribunes donc de supporters, de gens, voilà. Et quand il y a eu un but, pourtant c'était pas le dawa quoi. Genre parce qu'en plus on était tous debout, tu vois, tu peux pas être assis, enfin tout le monde est debout. Et voilà, il y a eu 3 buts et à chaque fois, alors certes il y a eu l'euphorie cool et tout, mais à aucun moment il y a eu cet effet de poussage où vraiment, enfin voilà, les gens donc très très respectueux, très voilà, je regardais beaucoup autour de moi, voilà, c'était vachement respectueux et pourtant voilà, enfin bon ça, c'était les places les moins chères, hein, celles que j'ai pris les places les moins chères, 30 euros, 30 dollars pardon, avec les taxes et machin. Bon après c'était au dernier moment donc j'imagine qu'en un match normal c'est beaucoup moins cher. Là c'était un match très particulier et très attendu. Ah bah très bien, Dorado il va faire une réponse, c'est cool. Ouais donc par rapport au poste, c'est dommage parce que Road to Broke, j'étais avec lui. Bah là je le suis pas, enfin je le suivais un peu sur tout ce qu'il faisait. Et ça me plaisait, enfin j'aime la, on va dire la démarche du compte donc qui explique que ce compte Road to Broke, ce compte a pour but de vous montrer avec preuve. Avec preuve. Et ouais, les parieurs avec communauté qui mentent et vantent du rêve avec le hashtag Road to Broke, ok. Ne les suivez jamais, ok. Moi, je vois ce compte. D'ailleurs, je like beaucoup. J'ai même laissé pas mal, quelques commentaires. Je lui ai même dit à lui. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein, s'il me regarde, Road to Broke, j'aimerais qu'il vienne en vocal. Alors, dans le respect, évidemment, en parlant. Et dans le calme et dans le respect, mais mon invitation est toujours valable. Je l'avais déjà fait la remarque, j'aimerais bien qu'il passe dans l'émission et en vocal pour faire la promotion de son compte. Mais par contre, là, je pense qu'il a dérapé. Enfin, il a dérapé. Je vais donner ma version. Merde. Pourquoi j'ai lui qui me sort? Ok, bah super. Alors attends, vas-y. Road to Broke. Bon, c'est pas grave. On va le retrouver son poste. Voilà, sur Dorado. On veut pas de tes conseils ici. Tu as le profil pile de l'escroc. Venez sur mon site formation gratuite. Même un enfant sait que tu essayes d'arnaquer. Un outil révolutionnaire gagnant. Comment tu peux être crédible? Reste dans ton coin où personne ne te calcule. Malheureusement, attends, j'ai essayé de débattre il y a 2 semaines. Il veut rien écouter. Il a pas l'air d'être dans le respect et dans l'argument. Bah ouais, bah c'est dommage. Ouais. Je pense qu'il attaque clairement la mauvaise personne. S'il y a bien quelqu'un dans le milieu des paris sportifs qui fait au moins du contenu, que ça soit quali, qui prend du temps, et ça lui fait pas gagner d'argent, hein. Quand il fait des émissions Twitch, quand il fait des podcasts, quand il fait ses vidéos YouTube d'analyse NBA. Alors certes, on peut se dire, Yo, GPN, comment ça va? Alors je pense que t'as mal écrit mon prénom. T'as fait exprès, mais du coup, je me dois d'écrire le Franck correctement. S'il y a bien quelqu'un qui tient un bilan certifié, c'est bien lui. Il se cache derrière aucun compte, que ça soit des comptes Blogabet. Et là, notamment bah, récemment, Bet2Invest, avec plus de 1000 bets et en ayant un ROI positif.
Dorado fait du contenu très qualitatif, mais depuis enfin, de nombreuses années. En tout cas, moi, j'étais pas là depuis quand il a commencé à faire du contenu. Donc, je vais parler depuis que je suis là, depuis 3-4 ans, un peu sur les réseaux. Mais il le fait avant. Et en gros, moi, je pense ce qui a fait décoller Road to Broke. Je vais faire l'avocat du diable aussi. Ok, donc l'avocat du diable, je vais me faire l'avocat de Road to Broke. Mais je vais expliquer aussi mon point de vue. Ah bah très bien, rendez-vous à 20h. Eh bah c'est cool, bah de toute façon moi en plus j'aurais arrêté depuis un moment. Bah voilà, rendez-vous à 20h pour un Twitch de 1h tout à l'heure, et bah très bien. Voilà, donc vous irez sur la chaîne de Dorado. Donc voilà, l'avocat du diable. Et encore une fois, ça veut pas dire que je suis avec Road to Broke, loin de là, je suis plus de l'autre côté avec Dorado. Dorado, il utilise des techniques, on va dire, pour attirer l'œil. Il sait qu'il utilise des techniques pour parfois choquer, parfois ça peut diviser, parfois on peut se dire « Oh putain, là l'enfoiré, tu vois ». Voilà, il a utilisé sur certains de ses posts des photos à la plage, en piscine et tout. Alors certes, il utilise des stratégies, on va dire, des techniques marketing pour toucher du monde. Moi, j'étais très contre au début, d'ailleurs. Même moi, même dans les débuts, quand j'ai vu Dorado et que j'ai vu ses méthodes, j'ai eu une réaction que j'ai gardée pour moi, évidemment, que j'ai pas balancé publiquement, en mode « Ah, il utilise des techniques qui sont utilisées pour... voilà, les techniques, entre guillemets, de certains qui veulent vendre... voilà. Il utilise, on va dire, des codes utilisés par les tipsters mauvais, quoi, entre guillemets, qui te vendent du rêve et tout. » Sauf qu'au final, moi, petit à petit, j'ai un peu changé d'avis avec le temps. À un moment donné, quand tu fais du contenu, quand tu te donnes à faire autant de contenu comme lui d'ailleurs, autant de tweets, autant de contenu, que ce soit sur YouTube, des shorts, sur Instagram, sur Twitch, où tu veux, sur Telegram, à donner des tips gratuitement, sur son Telegram public, il donne gratuitement des tips régulièrement. À un moment donné, c'est vrai que tu te dis « Merde !» Quand je vois tous les tipsters qui sont réellement perdants, que c'est des escrocs, tu vois des NKT pronos qui ont 50 000 abonnés sur Twitter, juste en donnant des avis, tu sais, en donnant des avis, genre Real Madrid contre Barcelone, ouais, Real Madrid ou nul, et plus de 1,5 but. Ouais, ok, il n'y a pas de cote, il n'y a rien. Alors que là, Dorado, là, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est vraiment tout le contenu qualitatif qu'il apporte. Il se remet en question, il est capable. Voilà, et 95% de proba qui, oui, exactement, ouais, c'est ça. Il balance un pourcentage de proba et voilà, allez, maintenant tu te démerdes, peu importe la cote, en fait, voilà, démerde-toi avec ça. C'est exactement ça. Et donc voilà, Dorado, en plus, il sait se remettre en question. En plus, je m'en rappelle, enfin, pour preuve, un tips récemment qu'il a donné publiquement, la cote, elle est un peu partie dans l'autre sens à un moment donné, enfin, en tout cas, il n'a pas eu au pic de la cote. Et voilà, il est transparent, il laisse la place au doute, il dit, bah, comme moi d'ailleurs, hein, moi ça m'arrive de prendre des bêtes qui partent dans l'autre sens, donc qui vont contre moi en fait, ça m'arrive, alors c'est pas la majorité mais ça arrive, et dans ce cas-là je dis, ah bah merde, alors soit, donc je suis pas d'accord avec le marché certes, mais il y a peut-être une info qui m'échappe, voilà, en même temps on peut pas être à la tête de toutes les infos, d'ailleurs j'essaye de travailler sur ça pour être le plus optimal, pour trouver des infos à chaque fois, voilà, comme le match de Medellin que Kiyou a balancé, qu'il a mis Medellin je crois, bah pour moi Medellin a fini trop bas par le marché. Et après, voilà, il y avait des infos que j'avais pas, et voilà, il expliquait que l'équipe à l'extérieur, voilà, avait des soucis avec le président, il y avait des soucis en interne, et je sais plus l'autre... Bref, ah oui, bah dans ce cas-là, forcément, si tu rajoutes des infos... Ah oui, t'avais Gumball, autant pour moi, j'ai rien dit. Oui, t'avais Gumball pour le fun, vu que t'allais au stade. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Mais bref, moi, je trouvais que Medellin avait fini trop bas, dans tous les cas, ici... leur cote, bon, ils ont gagné 2-0, je crois, bon, on s'en fout, enfin, c'est anecdotique, mais voilà, et Kiyou m'a balancé des infos, d'ailleurs, Kiyou, faut qu'on parle en MP, et parce que moi, je suis même prêt à payer, hein, pour avoir certains services, pour au moins choper les infos, être très optimal, on va dire, pour choper les infos dans le foot, que ça soit foot Amérique latine, ou d'autres championnats avec des sources et tout, parce que franchement, trouver des infos, c'est chiant, c'est long. Si sur chaque match, tu veux essayer de trouver toutes les infos possibles, je passe 8 ans par bête. Enfin, c'est juste ingérable, en fait. À un moment donné, je peux pas être partout. J'ai quand même mon service de injuries and suspension, mais ça couvre pas tous les matchs. Yo, Yai, comment ça va, Yai07, ça fait plaisir. Yo, Franck et tout le monde de la forme. Yo, David. Oh mince, un rageux est sorti sa tanière. Ouais, c'est dommage. En fait, voilà, comme je disais, pour faire l'avocat du diable, certes, Dorado, il utilise des techniques, mais qui aujourd'hui, moi, j'étais contre, mais maintenant, j'approuve, parce qu'à un moment donné, il y en a marre de se dire, putain, on fait du contenu, on fait quelque chose de sérieux et de qualitatif,
Et pourtant, on n'a pas de sous, on n'a pas, on n'est pas soutenu, on n'est pas vu. Donc, à un moment donné, moi, je suis maintenant en phase, en tout cas, avec des techniques marketing entre guillemets utilisées par les escrocs pour nous-mêmes gagner en visibilité. Et t'as personne qui voit le contenu. Ouais, c'est ça. Et en plus, on a plein qui voient le contenu. Donc là, Road to Broke, ok, ça a pu te faire réagir de voir Dorado faire un thread où il met des photos de lui à la piscine, qui sont très clichés, on va dire, pour parmi utilisés par les escrocs, les mecs de Dubaï et tout. Mais à un moment donné, cette technique, maintenant, je l'approuve parce qu'à un moment donné, il faut réussir à mettre le contenu qualitatif en avant. Enfin, selon moi. League Spy. Alors, League Spy, ça me parle. Tu as déjà check pour les infos. Il me semble que League Spy, j'avais payé et je me suis fait scam. Alors, je sais pas si c'est le même. Il y avait Spy dans le nom. J'avais déjà payé un service en dehors de Injuries and Suspension. Il me semble que ça s'appelait Spy dedans. Et pour moi, j'estime m'être fait scam parce que j'ai payé cher. Et pourtant, il n'y avait rien à jour. Par contre, c'est très cher. Alors, bah, c'est quoi? Ah ouais? League Spy? Bah, attends. Moi, je sais que j'avais payé un truc. Putain, j'étais dégoûté. Parce qu'au final, il n'y avait pas d'infos. Enfin, genre, c'était. Ah, bah, c'est ça, ouais? Non, attends. Ça, oui, ça me parle, ça. Bah, oui. C'est ça que j'avais. Moi, j'estime que je m'étais fait scam parce que les previews, c'était jamais à jour. Il y en avait qui où ils te disaient rien. Alors, je sais pas. Dis-moi si tu l'utilises. Peut-être que je sais pas. Peut-être qu'au moment où je l'ai acheté, ils avaient des soucis ou quoi. Moi, j'estime que je m'étais fait scam par eux parce que j'ai payé un service qui valait pas le coup. Alors, 800 l'année. Ouais, mais moi, je suis prêt à les mettre les 800 balles l'année. Hein. C'est pas la question. Hein. Si c'est très quali, que ça me fait gagner du temps, c'est bon. Hein. Par contre, c'est très cher. 800 l'année de ce que je vois. Je l'avais pris il y a quelques années, mais bon, 100 en plus. Kiyou. Ah. Alors, assez chaude pour rentrer dedans, assez fraîche pour se rafraîchir. Attends, qu'est-ce que vous dites? Ah, elle est à combien la température de l'eau, pardon. Ouais, voilà, en plus, aucun argument contre lui, à part dire qu'il utilise ça. Donc, non, clairement, tu Road to Broke, si tu regardes tout son contenu, tu t'attaques à la mauvaise personne. Et voilà, je suis complètement contre ça en plus. Enfin, il n'y a rien qui est fondé. Puis encore une fois, Dorado, si tu suis réellement son travail, et il est dur à suivre. Il est dur à suivre son Dorado, son contenu, tellement il y en a en fait. Donc c'est-à-dire qu'il fait tellement de contenu sur beaucoup de réseaux que là vraiment. Et encore d'ailleurs, je suis assez content. Bon, il y a Luigi qui le défend. Voilà, oh, non, mais c'est cool. Ouais, bah, Rémi, tiens, qui est dans le chat, c'est cool. Bravo, pathétique, voilà, bah c'est cool, ouais. Il a le soutien mérité. Ouais, bref. Bon, t'auras quand même des rageux. Bon, voilà, bah, je pense que j'ai répondu. Voilà, franchement, allez suivre le travail de Dorado. Allez suivre le travail de Dorado, clairement. Et là, voilà, je suis complètement pas en phase avec ce qu'il dit Road to Broke. Je pense pas qu'il va se remettre en question parce qu'il m'a l'air un peu énervé. Que rajouter, puis j'ai peut-être oublié un truc, peut-être que je vous le dirai après par rapport à ça. Non, non, bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Enfin, je pense, si j'ai oublié un truc, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, parce qu'on réacte des vidéos YouTube, on va réacte la vidéo. Bah oui, c'est assez normal. On va réacte vidéo de Paris Sportif face à face. Avec Maître Escande l'avocat qui défie les bookmakers. Je vous dis la vérité, j'avais déjà vu la vidéo, mais j'ai en plus moi-même envie de la revoir, parce que je me rappelle pas de tout. Ouais, ça c'est. Et oui, voilà, oui, exactement. C'est très triste de voir Dorado qu'il a un bilan certifié sur Bet2Invest, notamment avec plus de 1000 bets en étant positif. Et tu peux arriver à critiquer ça, c'est chiant. Surtout qu'en plus, Pinnacle, encore une fois, Bet2Invest, c'est ce qui va être le plus accurate. Parce que forcément, si jamais t'as un ROI positif sur Pinnacle. J'ai même envie de te dire, tu peux même avoir un ROI personnel plus haut que Pinnacle. Pourquoi? Parce que quand t'es up sur Pinnacle, waouh! Pokénroll, merci, 44 personnes. Ah putain, elle est belle celle-là. Elle est très très belle, 44 personnes. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de monde. Merci Pokénroll, donc vu le nom, ça me parle. Je sais pas si je t'avais raid à un moment donné, mais en tout cas, merci. Oh, Ronny Sebo! Ah bah Ronny c'est beau, ça fait plaisir. Ronny c'est beau qui stream des MTT la nuit notamment très souvent. Bah très souvent presque tous les jours, non? J'ai presque envie de dire. Pas que moi, tous ceux qui sont sur la plateforme.
ou sur une plateforme certifiée, imagine le délire. Ouais, non, non, mais ça, c'est chaud. Franchement, cette attaque, elle est pas valable. Et encore, j'ai peut-être oublié certains arguments qui me viennent pas à l'esprit, mais en tout cas, je ne cautionne pas cette attaque. Et voilà, oui, le seul truc que j'ai à dire par rapport à Bet2Invest et les codes Pinnacle, c'est-à-dire que si t'es malin, enfin malin, façon de parler, tu peux même avoir un bilan personnel plus haut. Pourquoi? Parce que des fois, la cote sur Pinnacle, merci Pokenroll pour le follow et pour le raid surtout, coucou, on parle Paris Sportif ici, tous les jours du lundi au jeudi à partir de 16h. Bon, cette semaine c'était un peu spécial, j'ai pas stream lundi-mardi, mais sinon voilà, on propose du contenu Paris Sportif général, hein. C'est pour tout le monde, hein. Y a pas de oh, on est spécialiste, y a pas de oh. Non, c'est ouvert à tout le monde, pour les débutants, ceux qui n'y connaissent rien en Paris Sportif, ceux qui s'y connaissent très bien. D'ailleurs, ça se voit. Ouais, le raid a été lancé, merci. Salut Valentina, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en plus, c'est cool parce que je vois dans le chat, il y a du pro, du pas pro, des gens qui s'y connaissent sûrement rien en Paris Sportif, des gens qui s'y connaissent très très bien, bien mieux que moi. Justement, le but, c'est, voilà, c'est de stream du contenu. Waouh, merci, hein. Il y a du monde là, il y a du monde au balcon. Donc ouais, l'XPy, bah, peut-être qu'il faudrait que j'y retourne, mais non, l'XPy, j'estime m'être fait scam. Alors peut-être qu'ils se sont améliorés, mais non. Parce que non. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais bien... Non, mais Kiyou, on se fera un petit call rapide tous les deux, si tu le permets. Parce qu'il y a clairement des trucs que tu as en ta possession qui m'intéresseraient et pour lesquels je suis prêt à payer, même, tu vois. Donc, je te dis, je suis prêt à payer, je vois des trucs que tu utilises, des infos que tu arrives à avoir, que moi, je n'arrive pas à avoir, on va dire, sans recherche approfondie, et que je suis prêt à payer. Voilà. Donc, bon. Donc, voilà, ça, c'était pour le... La petite parenthèse, putain, attendez, on est combien? Merci, putain, on est 53 du coup, merci beaucoup pour le raid de Pokenroll, que je connais peu, pour ne pas dire pas, mais j'imagine que ça stream quoi d'ailleurs, Pokenroll, n'hésite pas à te présenter un petit peu, enfin, qu'est-ce que tu streams, du cash game, du tournoi, du spin, tu streams, ça m'intéresse, hein, vu que de temps en temps sur ma chaîne, moi je stream des MTT, et au tout début je streamais mes parties de cash game en NL100, NL200 aussi. Mais j'ai arrêté de le faire, ça. Ah, ok. Donc, ouais, c'est vraiment en mode médias locaux pour utiliser les infos. Merci, Kiyou. En plus, tu dois parler espagnol couramment maintenant, non? Bon, après, ça va. Maintenant, je suis à l'aise avec l'espagnol, donc je peux... Ça va. Ok, beaucoup de reviews MTT et un peu de gameplay. Ok, cool, Pokenroll. Eh ben, on ira voir ça. Et puis, bah, allez voir, hein, cliquez sur... pour aller le follow sur sa chaîne. Et merci beaucoup pour le raid. Je te conseille... Pokenroll, bonne chaîne de poker, ils sont hyper cool. Eh ben, allez-y. Allez-y donc. Bah, ça y est, allez, hop, là, j'ai cliqué sur suivre. Cliquez sur son pseudo et sur suivre pour suivre Pokenroll et voir un petit peu le contenu qu'il propose sur sa chaîne. On a un peu de gameplay et des reviews de tournois. Eh ben, c'est cool. Brésilien, ça se devine un peu avec l'espagnol, mais c'est le prochain objectif. Ah ouais, tu vas apprendre le portugais? Oui, espagnol, anglais. Ah oui. Ah oui, tu parles espagnol, anglais, néerlandais, français et un peu de russe, donc ça aide, ça aide. Ah bah ça, je confirme, Kiyou, ah oui. Brésilien, ça se devine un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre brésilien, espagnol, portugais, mais oui, t'as raison que, bah ouais, putain, si t'as l'habitude avec les langues, si tu te portes bien avec les langues, ça aide de fou. Pour les bêtes foot, je m'aide de Wisecoot, mais il n'y a pas d'infos. Ok. Wisecoot, j'ai pas. Justement, il faudrait que je vois, parce que je vois qu'ils ont une formule payante. S'ils ont des stats, on va dire, qui m'intéressent, je prendrai un abonnement Wisecoot à l'année. C'est quoi le premier? C'est 300-400 balles, non, le premier abonnement à l'année. Et après, t'as des trucs plus chers si tu veux un truc plus approfondi. Mais, ok. Valentina, c'est grâce à moi. Merci beaucoup, Valentina. C'est grâce à toi, le raid. J'imagine que t'as parlé de... Tu lui as parlé de moi à Pokenroll, bah merci, c'est cool. Les gars, aujourd'hui, pour ceux qui arrivent, on va parler de la fiscalité, donc dans les paris sportifs. Ça, c'est méga intéressant, hein, parce que je pense qu'ils vont parler de... Je l'avais déjà vu la vidéo il y a un moment, enfin il y a un moment, à la date de sortie, donc il y a 3 mois, bah voilà. J'ai dû la voir il y a 3 mois, cette vidéo. Et on va la voir ensemble. J'ai mis x1,5, je pense. Et franchement, ça m'avait rassuré sur plein de choses. Et du coup, bon, on lance la vidéo. Et attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres messages avant de lancer... Franck, tu peux me rappeler la règle générale pour les free bets, c'est-à-dire comment ça la règle? Ah, pour la conversion. Ah, mais ça, tu as Astuce Paris Sportif et t'as Nedou, hein, qui sont vraiment les spécialistes là-dedans. Moi, j'ai même pas les tableaux pour faire les conversions de free bets à 100%.
Mais oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on a des free bets, quand on a 500 euros de free bets et qu'on veut les convertir 100% du temps. Il y a des techniques, c'est-à-dire que tu couvres plusieurs issues. Mais ça, je te conseille, j'en suis sûr que Neidou va te répondre, ou Astuce Paris Sportif sur son Discord. Les deux sont top. Ah ouais, Neidou. Ouais, mais il va te répondre. Enfin, lui, il est bien plus spécialisé que moi par rapport aux promos, les free bets, optimiser tout ça. Moi, en tout cas, quand j'ai des free bets, je les optimise pas. C'est-à-dire que moi, je gamble sur des cotes à 9 ou 10 qui sont value selon moi. Et voilà quoi. En tout cas, merci. Allez, les gars, on va démarrer. Bon fin de stream, Franck. La vidéo que tu vas envoyer est une pépite. Ah bah, c'est gentil. Merci, David. Allez. Déclarer ses gains quand on gagne régulièrement. Alors là, la réponse simple, claire, nette et précise, c'est non. Pour un parieur qui va jouer par exemple des milliers de paris par mois, par exemple, ça peut arriver, il y a des gros parieurs comme ça. Est-ce que ce serait vraiment si difficile à prouver pour le fisc? Le fisc essaye d'imposer les parieurs. J'ai déjà eu, par exemple, pour illustrer ça, un redressement à hauteur de 800 000 euros. On a reçu une lettre de dégrèvement total de 800 000 euros. Ah merci Kiyou, je vais voir ça après. Est-ce que vous entendez bien le son, même quand je parle par-dessus? Enfin, comment ça se passe au niveau du son là de la vidéo? Limite encore aujourd'hui les parieurs. Est-ce que ça arrive encore? Le seul motif légitime qui existe aujourd'hui, ce serait de considérer que le joueur est addict. Aucun opérateur ne peut démontrer que le parieur est addict. Avec des parieurs qui peuvent parier beaucoup plus, jusqu'à hauteur de 500 000, 600 000 euros, ouais. Un pari plus élevé. Finalement, les joueurs qui sont addicts ne sont pas du tout limités, au contraire, sont poussés parfois même à jouer un maximum d'argent. Et donc, putain, mais monte le son, je suis à fond. Attendez, je vais faire un autre truc. Pas gagner et comment on voit des publicités à la télé où on vous explique que vous allez gagner. Officiellement, il n'y a pas de parieur professionnel qui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de. C'est faible, ouais. Attendez, on arrive. On n'existe pas, on n'est pas imposable, on n'est pas reconnu. Je suis avocat. L'FDJ, j'attaque PMU, j'attaque Winamax, pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas parieur. Même s'il y a une fraude ou un blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Est-ce qu'on doit déclarer ses gains quand on gagne régulièrement? Alors là, la réponse simple, claire, nette et précise, c'est non. Pour un parieur qui va jouer par exemple des milliers de paris par mois. Putain, pourtant le son est à fond, alors c'est leur vidéo sérieux qui fait ça? Tu as vu mon lien dans le channel, faites rentrer l'accusé? C'est une pépite, non, j'ai pas vu, enfin, je sais pas. Moi j'entends bien, attendez, bah montez le son chez vous, j'ai le son à fond là. Attends, ah non, je crois savoir, attendez. Ça peut arriver, il y a des gros parieurs comme ça. Est-ce que ce serait vraiment si difficile à prouver pour le fisc? Le fisc essaye d'imposer des parieurs. J'ai déjà eu, par exemple, pour illustrer ça, un redressement à hauteur de 800 000 euros. On a reçu une lettre de dégrèvement total de 800 000 euros parce que les arguments, je suppose, étaient trop... trop convaincant ou trop évident pour dire qu'on ne peut pas imposer la partie. Est-ce que les bookmakers limitent encore aujourd'hui les parieurs? Est-ce que ça arrive encore? Le seul motif légitime qui existe... Bon, dans ce cas-là, ok, bon, j'ai le son à fond, donc ce qu'on va faire, je ferai en sorte de jamais ouvrir ma gueule lorsque la vidéo est en route, ok, et si je parle, je mets la vidéo en pause, hein, logique. Comme ça, au moins, on est sûr que, bah voilà, ça soit top. Mais attendez, je vais juste checker un réglage. Parce que moi, ça m'étonne que le son soit pas très fort. Alors, le son. Volume. Eh non. Hein. Ah, c'est... Alors, c'est peut-être eux, leur vidéo de leur côté, qui l'a sorti pas. Ils l'ont peut-être sorti pas. Je sais pas comment dire. Enfin, eux-mêmes avec le son. Tous les périphériques audio. Non, on s'en bat les couilles des périphériques. Deux secondes. Bon, de toute façon, on va l'avoir en entier la vidéo. Hein, donc, quitte à ce que le stream dure 4 heures. Je reste là. Attendez, mélangeur de volume. Voilà, c'est plutôt ça. Ah, Google, il n'était pas à fond. Attendez, je fais un test. Aujourd'hui, ce serait de considérer que le joueur est addict. Voilà, n'importe quoi. Est-ce qu'on doit déclarer ses gains quand les parieurs vont vraiment générer des gains régulièrement aux paris sportifs? Et donc, c'est le cas notamment pour notre communauté privée Parieur Pro. La plupart des parieurs génèrent des gains sur le long terme. Mmh. Et d'où justement leur question sur l'imposition. Ok, c'est la vidéo de base. Allez, on recommence et on laisse couler. Est-ce qu'on doit déclarer ses gains quand on gagne régulièrement? Alors là, la réponse simple, claire, nette et précise, c'est non. Pour un parieur qui va jouer par exemple des milliers de paris par mois, par exemple, ça peut arriver, il y a des gros parieurs comme ça. Est-ce que ce serait vraiment si difficile à prouver pour le fisc? Le fisc essaye d'imposer des parieurs. J'ai déjà eu, par exemple, pour illustrer ça, un redressement à hauteur de 800 000 euros. On a reçu une lettre de dégrèvement total de 800 000 euros parce que les arguments, je suppose, étaient trop
trop convaincant ou trop évident pour dire qu'on ne peut pas imposer la personne. Okay. Est-ce que les bookmakers limitent encore aujourd'hui les parieurs? Est-ce que ça arrive encore? Le seul motif légitime qui existe aujourd'hui, ce serait de considérer que le joueur est addict. Mmh. Aucun opérateur ne peut démontrer que le parieur est addict. Avec des parieurs qui ont pu parier beaucoup plus, jusqu'à hauteur de 500 000, 600 000 euros, un pari plus élevé. Finalement, les joueurs qui sont addicts ne sont pas du tout limités, au contraire, sont poussés parfois même à jouer un maximum d'argent. Et donc on chasse les joueurs qui gagnent et on garde les joueurs qui perdent. Comment l'ANJ peut dire vous ne pourrez pas gagner et comment on voit des publicités à la télé où on vous explique que vous allez gagner? Officiellement, il n'y a pas de parieur professionnel qui... Et d'ailleurs, il n'y a pas de... Ce statut d'ailleurs n'existe pas. N'existe pas, n'est pas imposable, n'est pas reconnu. Je suis avocat et j'attaque l'FDJ, j'attaque PMU, j'attaque Winamax, pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas par ailleurs. Même s'il y a une fraude ou un blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, l'opérateur doit restituer l'argent au parieur. Salut à tous, c'est David pour le blog Parieur Pro. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle puisque je suis avec Maître Escandre. Maître Escandre qui est le spécialiste des jeux d'argent, les paris sportifs, le poker en France. Bonjour Maître Escandre. Bonjour David. Dans cette vidéo, en fait, on va parler de paris sportifs évidemment et on va pouvoir poser des questions à Maître Escandre. Donc j'ai demandé à ma communauté eh bien, de préparer des questions sur les paris sportifs et on va aborder plusieurs sujets, l'imposition des paris, la fiscalité, les abus parfois des bookmakers et pas mal d'autres questions comme ça sur lesquelles on va pouvoir revenir. On peut démarrer tout de suite la vidéo avec est-ce que vous voudriez bien vous présenter en quelques phrases, Maître Escandre, parce que beaucoup de gens vous connaissent, mais pas forcément tout le monde. Bien sûr. Alors, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris. Je suis docteur en droit et j'évolue principalement dans le domaine du contentieux pour protéger les parieurs et les joueurs de manière générale. Et notamment, la plupart des contentieux se concentrent sur les refus de paiement, les limitations de mise, de paris. Également sur les parieurs addicts ou voilà, tout ce qui concerne les litiges en matière de paris, les jeux d'argent en général, le poker, okay. La fiscalité, le pénal du droit des jeux aussi, et ça, okay. Ça arrive parfois. Voilà, donc c'est globalement tout ce qui se passe autour de ça et je publiais dans des revues spécialisées du contenu juridique en matière de jeux et j'enseigne aussi à l'Université de Toulouse dans le domaine des jeux d'argent. Ok, très bien. Bon, merci pour la présentation bien complète. On peut démarrer directement avec la fiscalité et l'imposition. Ça a été les questions qu'on a eues le plus quand on a demandé voilà, qu'est-ce que vous vouliez savoir un petit peu dans le domaine juridique, dans les paris. Le contexte, c'est le suivant. On va dire qu'il y a 99% des parieurs qui, sur le long terme, perdent aux paris sportifs. Bon, c'est un chiffre qui n'est pas hyper précis, mais globalement, on estime voilà, entre 97 et 99% des parieurs qui ne sont pas gagnants sur le long terme. Et du coup, ça veut dire que 1% des parieurs vont vraiment générer des gains régulièrement aux paris sportifs. Et donc, c'est le cas notamment pour notre communauté privée Parieur Pro. La plupart... C'est le cas pour notre communauté Parieur Pro. Alors, je sais qu'ils sont sérieux. Mais il ne faut pas faire croire non plus que 100% des mecs qui font partie de leur communauté gagnent de l'argent au pari sportif. Ça, tu ne le fais pas croire à nous. Pas à nous, ça marche pas ça. Des parieurs génèrent des gains sur le long terme. Et d'où justement leur question sur l'imposition, la fiscalité. Parce qu'à ce moment-là, on se demande l'argent qu'on gagne de manière régulière au pari sportif. Donc là, on entend bien de manière régulière tous les mois ou voilà, être positif très, très régulièrement. Pas juste gagner une grosse somme au pari. Parce que ça, vous pourrez nous confirmer, mais ça, a priori, c'est pas imposable. Mais voilà, la question se pose quand on gagne régulièrement de l'argent au pari. Donc la première question, c'est quand on gagne régulièrement comme ça, est-ce qu'on doit déclarer ses gains aux impôts? D'ailleurs, en plus, c'est le moment en ce moment des impôts. Est-ce qu'on doit déclarer ses gains quand on gagne régulièrement? Alors là, la réponse simple, claire, nette et précise, c'est non. Ok. Ça, c'est la folie. Hein. En vrai, là, ce qu'il vient de dire, c'est vrai que c'est une bombe. Hein. On dirait pas comme ça. Parce que c'est vrai qu'on se dit, ouais, mais à un moment donné, en France, oui, on doit déclarer les gains, par exemple. Surtout que nous, les parieurs sérieux, on est nombreux, on parie sur leur argel, c'est-à-dire sur PS3838, sur OrbitX, pour avoir des meilleures cotes, pour maximiser nos gains. Et forcément, moi, à un moment donné, je me suis dit, s'ils contrôlent mes gains en paris sportif, je suis pas bien. Alors, j'ai pas gagné des 1000 et des 100 en paris sportif, vous le savez. J'ai gagné l'équivalent de, comme je le dis, depuis 2 ans que je travaille solo, l'équivalent, on va dire, aux alentours, en comptant aussi les cotes boostées sur l'argel, les promos, tout ça, je dois être aux alentours d'un SMIC par mois. Aux alentours. Allez, ok. Et c'est vrai que je me suis dit, merde. À un moment donné, je peux avoir un souci. Parce que surtout que l'argent vient de Asian Connect. L'argent vient de Dreambet. Donc, qui sont des brokers. Des intermédiaires, quoi. Des courtiers, on appelle ça.
Et je me suis dit, à un moment donné, je peux avoir des soucis. Et c'est vrai que quand j'avais vu cette vidéo à l'époque, bah, dès sa sortie, hein, parce que moi je vous dis, dès que j'ai vu ça, oh putain, j'ai vu l'avocat qui défie les bookmakers, je peux vous dire que quand j'ai vu cette vidéo dans mon fil d'actualité, ou je sais plus où je l'ai vu, je l'ai regardé direct. Hein. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, ah putain, j'ai soufflé. Et je me suis dit, ça fait du bien. Les paris sportifs, les gains en paris sportifs ne sont pas imposables. C'est la doctrine fiscale qui le dit. J'ai également gagné des. Surtout, tu avais dit des rumeurs qu'il fallait. Mais oui, parce qu'en fait, tu entends plein de choses et on entend plein de choses différentes. Tu sais, c'est un peu aussi comme la fiscalité au poker. On entend tellement trop de choses du style, ok, si tu as zéro activité à côté, par exemple, tu es au chômage, peut-être, j'imagine, hein, tu es au chômage, même peut-être t'es pas enregistré à Pôle emploi pendant 6 mois et tu joues au poker, tu gagnes 10 000 euros, je pense que tu dois le déclarer. Enfin, il y a trop de sauts de cloche différentes. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, le statut de joueur de poker professionnel, je parle de poker en France, il n'existe pas. Dans le sens, il n'y a pas un statut clair qui dit je suis joueur de poker professionnel. Il n'y a pas. On a eu plein d'interviews, enfin, on a eu plein de retours. Tu as même des gens, ceux qui déclarent leurs gains au poker en France, ils ont des statuts, des espèces de machins tout montés du style gérant des jeux d'argent, je sais pas quoi. Enfin, mais comment c'est possible? Enfin, dans tous les cas, voilà. Enfin, dans tous les cas, moi, tout ce que je dis, voilà, juste petite parenthèse, c'est mon conseil perso. Vous-même, approchez-vous d'un, comme j'ai fait moi, d'un expert comptable. Voilà, il va vous recommander, il va peut-être vous envoyer chez un avocat, chez un spécialiste du fisc ou j'en sais rien, enfin, un avocat fiscaliste ou autre. Mais chacun, dans votre cas, allez voir un expert comptable, vous lui balancez tout, comme si c'était votre psy, mais version oseille, vous lui balancez absolument tout ce que vous gagnez, tout ce qui rentre. Enfin, tout ce qui rentre, en tout cas, ce qui rentre, voilà, qui passe par les comptes bancaires, surtout. Vous dites tout, et franchement, voilà, si votre expert comptable, il est compétent, voilà, il saura vous guider, ou au moins vous envoyer chez la bonne personne qui, après, voilà, après, il faut payer les consultations. Mais voilà, faites du cas par cas. On ne peut pas généraliser, c'est tellement complexe, que ce soit le domaine du poker ou des paris sportifs. Faut faire du cas par cas. On n'est tous pas dans la même situation. Il y en a, ils vivent chez leurs parents, il y en a, non, il y en a, enfin, je sais pas, enfin, il faut tout prendre en compte. Et des dégrèvements concernant certains parieurs qui, lorsque l'administration souhaitait les imposer, donc ce n'est pas imposable aujourd'hui, à ma connaissance et à l'état actuel du droit. D'accord. Mais plusieurs critères doivent être pris en compte, donc il faut quand même détailler les choses parce que on voit beaucoup sur Internet, on nous parle des joueurs de poker et Oui. qu'il y a une certaine confusion qui est engendrée avec ça. Alors il faut comprendre la distinction entre le jeu du poker et le parieur sportif. Le joueur de poker est un joueur. Oui. Et le parieur est un parieur. Donc, je m'explique. Un joueur de poker participe à l'aléa. Il va avoir une influence selon les cartes qu'il va piocher, comment il va interagir avec les autres participants. Et donc là, la jurisprudence considère qu'il y a une intervention du joueur de poker sur l'aléa, et donc cette interférence avec l'aléa sur le long terme, par son expérience, lui permet d'atténuer l'aléa et donc de capter des gains et de générer des gains récurrents. OK. Voilà. Et pour le joueur de poker, donc il y a la nature même du joueur de poker à prendre en considération. Et également, est-ce que cette personne ne fait que ça de sa vie? Donc il y a ce critère-là. Donc quelqu'un qui travaille ne peut pas être considéré comme un joueur professionnel parce qu'il n'est pas D'accord. sponsorisé, parce qu'il ne s'implique pas autant que quelqu'un qui ne ferait que ça de sa vie. Et donc, ce sont des critères, et le critère de récurrence également. Et donc, certains agents du fisc ont essayé de faire une analogie, de transposer ça aux parieurs sportifs. D'accord, ouais. Donc, si on remonte les critères, ben, la récurrence, ben, oui, il peut y avoir de la récurrence. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui peut ne pas travailler et générer des revenus. Donc là, on se pose la question. Et donc, la question à se poser, c'est de revenir à la base et à la nature du pari sportif. Et l'exemple que je prends souvent, c'est qu'on est extérieur à l'aléa quand on est parieur. On D'accord. ne peut pas, hein, pour la Coupe du Monde de 2018, vous n'allez pas rentrer sur le terrain et faire la passe à Mbappé Bien sûr. pour qu'il marque. Donc à partir de là, vu que vous êtes extérieur, vous ne pouvez pas interférer sur l'aléa, sauf à corrompre et à payer le gardien de foot pour qu'il encaisse un but ou Bien quelque chose sûr, comme oui. ça. C'est le seul moyen que vous avez d'interférer ou d'intervenir sur l'aléa. Pour un parieur classique qui est de chez lui ou qui parie sur Internet, par exemple, il ne peut pas interférer sur l'aléa. Voilà. Et on peut se rappeler notamment de l'affaire Karabatic, qui avait fait couler beaucoup d'encre, où le frère de Nicolas Karabatic avait réalisé des paris sportifs Oui. sur des rencontres dans lesquelles il jouait. Bien sûr, Et donc là, si vous voulez, le problème se pose, c'est que là, le joueur de handball va interférer sur l'aléa. oui. Parce que s'il décide de ne pas jouer, forcément, il va influencer l'aléa et le résultat. C'est Ce qui ça. n'est pas valable pour un parieur sportif lambda,
qui est derrière son écran à jouer chez un opérateur. Ok, très bien. Et même si, parce qu'on sait que bon, voilà, pour gagner au pari sportif, nous, on va jouer sur des cotes qui nous semblent mal ajustées oui. par les opérateurs, ce qu'on appelle les value bets. Oui. Et du coup, même si justement ce choix, on ne peut pas considérer que le choix justement du pari, le fait que la cote est mal ajustée, soit mal ajustée pour nous, Il y a débat quand même sur ce qu'il vient de dire. Cote mal ajustée égale value bet, alors en général, oui. Mais il peut y avoir aussi des erreurs de book, des réelles erreurs de book où il y a des inversions de cote. Et je pense qu'il y en a qui sont spécialisés que sur les inversions de cote, on va dire, enfin, et qui prennent que ça. Ça m'est arrivé il y a quelques années de prendre un match, je l'avais raconté déjà, sur betclic.fr à la sortie des cotes, donc en early market dès la sortie des cotes. C'était la nuit, enfin, moi j'étais au Mexique à ce moment-là. Atlético Madrid contre Valence. Ils avaient inversé les cotes Betclic et genre ils avaient sorti Atlético Madrid avec une cote énorme alors que ça valait 1.5 et ils l'ont sorti à la place de la cote de Valence. Et dans ce cas-là, je me rappelle, j'avais pu mettre, ça m'avait fait gagner 2K cette histoire. Et franchement, si je me fais l'avocat du diable, s'il y a des joueurs qui focusent uniquement les erreurs quand il y a des inversions de cotes comme ça, moi franchement, l'avocat du diable, je vous dis... Je peux comprendre les bookmakers qui vont limiter un compte d'un joueur qui prend uniquement des erreurs des réelles erreurs, tu vois. Alors évidemment que c'est un value bet, c'était même une value immensissime, on s'en fout, tu vois. Mais là, pour le coup, c'était une erreur de sortie de cote. Ça avait duré 5 minutes et heureusement, j'avais eu la chance d'être là sur mon ordi à ce moment-là. C'est quand même plutôt rare, oui, je suis d'accord avec toi, GPN, c'est quand même plutôt rare. Mais il y en a eu une aussi récemment, hein, sur le match de l'Inter hier. D'ailleurs, putain, j'aimerais bien savoir qui c'est sur mon Discord. Il s'appelle... merci à lui d'ailleurs. Il s'appelle KP Imposteur, je ne me rappelle plus qui c'est sur Twitch. Tu l'avais dit, je crois, une fois. Il a sorti une très belle erreur de cote hier. C'était sur The Bet. C'était sur les buteurs, double chance, Lautaro et un autre. Bon, le bet n'est pas passé, mais genre au final, c'était des énormes values. Pourquoi ? Parce que c'était une erreur de cote. Et voilà, ça, faut savoir quand même en profiter sur les buteurs. Ouais. Franchement, le marché FR, les gars, il y en a, ils focusent le marché FR. Si vraiment, alors ça prend une tonne de temps, hein, mais franchement, si tu focuses à fond, tu peux prendre que des value bets sur des erreurs d'ajustement des books, y a moyen. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que si tu fais absolument que ça, bah forcément, tu vas être limité assez rapidement, quoi. Justement, interfère dans l'aléa pur qu'on peut avoir au pari sportif. Ouais. Alors, la première chose, c'est que c'est un débat que moi, à mon avis, lorsqu'il y a un contrôle fiscal ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter d'aborder avec le contrôleur fiscal, de lui expliquer cette notion de value et de supériorité de chance, enfin, ou de minoration de risque. Voilà, c'est quelque chose qui... Mais après, l'agent du fisc, par exemple, doit apporter une preuve que telle bête, que Stephen Curry va marquer 30 points et tout ça, et comment vous pouviez savoir que... Okay. Je veux dire, si on rentre dans des considérations comme ça, qui sont subjectives ou, disons, pas objectives du tout, la preuve est difficile à rapporter pour le fisc. Donc, Même pour un parieur qui va jouer, par exemple, des milliers de paris par mois, par exemple, ça peut arriver. Il y a des gros parieurs comme ça qui vont être gagnants quasiment tous les mois. Est-ce que ce serait vraiment si difficile à prouver pour le fisc que l'aléa n'existe plus réellement ? Mais ça interroge, forcément. C'est un constat objectif. Après, certes, parce que j'en suis témoin, forcément, le fisc essaye d'imposer des parieurs parce qu'il voit qu'il y a des revenus qui sont générés de manière... Eh oui, les gars, on joue contre les bookmakers, mais contre le fisc aussi, hein, en paris sportif. Hein. Donc, ils cherchent stratégiquement à faire abdiquer les parieurs ou à éviter d'appliquer certaines règles pour renverser la situation et éventuellement changer la doctrine fiscale. D'accord, qui permettrait d'imposer. Donc, personnellement, je pense que pour l'avenir, ça risque d'arriver, qu'il faudra un jour déclarer ses revenus. L'argument principal du fisc, c'est de dire... sans preuve que les gens jouent avec des logiciels. Mmh. Donc, sans preuve, sans... voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas la preuve en face, ben, voilà, on peut pas... Il n'y a pas de solution ou de conséquences directes pour le contribuable. Donc, à partir de là, pour moi, à l'heure actuelle, c'est sans risque. Après, d'accord, les choses peuvent évoluer. Bien sûr. Et je pense qu'elles vont évoluer. Il y a une solution directe pour se protéger. C'est le rescrit fiscal, ouais, par exemple. Okay. Le rescrit fiscal peut permettre au contribuable et uniquement à lui, dans son cas personnel, lorsqu'on expose les faits au fisc, eh bien de donner une garantie, de dire on ne vous imposera pas dans telle condition, vous personnellement, vous ne serez pas imposé sur vos paris, okay, parce que, et donc là on peut rentrer dans les détails, parce que ce sont des paris
comment dire, souscrit auprès d'un opérateur ANJ, donc qui garantit notamment un empêchement de blanchiment de capitaux ou des choses comme ça. Une solution peut être différente si ce sont des opérateurs non ANJ, et encore que pour moi, ce ne serait pas recevable non plus parce que la nature du pari ne change pas. Un pari, ça reste un pari. Donc voilà, il faut exposer sa situation. Je le fais assez souvent pour des clients. Je n'ai pas eu de refus de rescrit aujourd'hui. Donc encore d'accord. Un élément qui fait dire que à peu près toutes les autorités fiscales régionales sont du même avis. Vous me connaissez, j'aime balancer les gens qui regardent mon stream sans parler, mais c'est pas méchant. Hein. Merci classe de Manu. T'as fait beaucoup parler de toi. Hein. Merci en tout cas de regarder mon stream, mais t'as fait beaucoup parler de toi. Hein. Par rapport aux 10 000 euros, il y a eu beaucoup de... Il y a eu du pour, du contre. T'as fait beaucoup parler de toi, classe de Manu, avec cette histoire des 10 000 euros envoyés sur... Enfin, je ne me rappelle plus quel organisme. Ah oui, ça a fait beaucoup de bruit, ça. Et merci d'être là. Okay. Aujourd'hui, rien à signaler sur ce point-là. Ok, très bien. Donc, si on devait résumer, on pourrait dire que finalement, si on est un petit parieur, entre guillemets, on gagne quelques centaines d'euros, peut-être milliers d'euros par mois, on n'a pas forcément à déclarer. Et si on est un plus gros parieur, où on gagne peut-être un peu plus, 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, peut-être que le plus intéressant serait de demander un rescrit fiscal et de s'assurer qu'il n'y ait pas de rétroactivement, par exemple, d'imposition. Et élément important également, ce serait peut-être de regarder si le parieur fait que ça de sa vie également. Ouais. Ça peut être un critère important, notamment si la personne dépasse les 10 000 euros, dire, ben, tenez, je suis kiné, je suis médecin, je suis avocat, je suis maçon, ou peu importe le métier, mais je fais quelque chose de ma vie et je fais ça pour me divertir. Le plaisir, oui. Voilà, okay. Après, vous pouvez générer de l'argent, mais ça peut être aussi un critère décisif dans le rescrit. Disons que c'est un élément supplémentaire. D'accord, okay. Très bien. C'est très clair. Moi, j'avais noté aussi une autre question. Mais vous y avez un petit peu déjà répondu. Est-ce qu'il y a des différences dans la fiscalité entre les gains, par exemple, qu'on pourrait faire sur les books ANJ et des gains qu'on pourrait faire sur les books étrangers, hors ANJ, books mondiaux, voire c'est important. Sur les brokers, Alors, sur le point fiscal, non. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Le problème et la crainte que peut avoir le fisc, c'est que vu que ce n'est pas des opérateurs agréés, il peut y avoir un problème problème bancaire, disons, de blanchiment de capitaux, de risque de blanchiment de capitaux. Ok. Et donc, on va demander des justifications, puisque ça peut être sujet à fraude fiscale ou des choses comme ça. Donc, ce ne serait pas sur la nature même du pari, mais sur l'origine des fonds. D'accord. C'est là la nuance, et c'est là où le fisc pourrait répondre différemment, éventuellement. D'accord. Ok. Pas sur la nature même du pari, mais sur l'origine des fonds. Ok, donc sur l'origine des fonds, ce n'était pas forcément dans mes questions, mais c'est quand même intéressant, en fait, avoir un maximum de justificatifs. Exactement. Finalement, d'où proviennent les fonds, des virements qu'on peut, différents Exactement. Virements qu'on puisse faire et tout ça. D'accord, ok, très bien. Dernière question sur ce sujet-là que j'avais, c'était est-ce que le fisc a déjà justement attaqué des parieurs et comment ça s'est passé à ce niveau-là, des parieurs qui avaient gagné des sommes d'argent et oui. Est-ce que... Oui, oui. J'ai déjà eu, par exemple, pour illustrer ça, un redressement à hauteur de 800 000 euros. D'accord. La bataille a été un peu longue, toute la procédure a été épuisée au niveau administratif, le recours gracieux, les observations, etc. etc. Et puis, il y a eu la saisine du juge de l'impôt au tribunal administratif. Et une fois, donc ça a duré quand même un combat de 3 années. D'accord. Et le procès n'est même pas allé au bout. On a reçu une lettre de dégrèvement total de 800 000 euros. D'accord. Parce que les arguments, je suppose, étaient trop convaincants ou trop évidents pour dire ben, on ne peut pas imposer la personne. Okay. D'accord, très bien. Voilà. Donc, jusqu'à présent, aucun parieur. Voilà, entre les rescrits et la jurisprudence, en fait, la jurisprudence invisible au final, parce que le juge n'a pas eu à répondre, qu'il y a eu un désistement de l'autorité fiscale. Mais bien parce qu'elle pensait ne pas réussir. Tout à fait. D'accord, ok, très bien. Parfait. Et on peut passer à la deuxième partie des questions qui va toucher au sujet de la limitation des bookmakers faite par les bookmakers sur les joueurs et d'une manière générale les pratiques, on va dire, tendancieuses des bookmakers peut-être. Donc le contexte, c'est le suivant. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux types de bookmakers essentiellement qu'on va avoir. On va avoir les bookmakers asiatiques qui vont avoir un business model, on va dire, où ils ne vont pas limiter les parieurs, les parieurs gagnants notamment. Et les bookmakers asiatiques vont par contre avoir des très bonnes cotations et donc ça va être relativement difficile de gagner chez eux. Et on va voir les soft bookmakers, ou certains les appellent les bookmakers en carton, qui vont faire plus d'erreurs de cotation, qui vont moins bien ajuster leurs cotes, chez qui il va être plus facile de gagner. En revanche, pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils vont limiter les joueurs gagnants, ils vont limiter les mises des joueurs une fois qu'ils vont avoir gagné trop d'argent, ils vont limiter les comptes, voire fermer les comptes pour certains. Et dans de très rares cas, mais ça peut arriver,
On y reviendra, mais peut-être pas en France, mais garder même les fonds du client. Mais ouais. Voilà, ça c'est, on va dire, voilà, les deux types de bookmakers. Et dans ce contexte-là, ma première question, c'est notamment en France, est-ce que, j'ai un peu la réponse, mais est-ce que les bookmakers limitent encore aujourd'hui les parieurs? Est-ce que ça arrive encore? Et est-ce que vous avez senti une évolution un petit peu dans la pratique des bookmakers? Là, je parle vraiment en France, puisque vous êtes spécialiste aussi du marché français. Oui, alors une évolution, pas vraiment. Il y a toujours, disons que le mécanisme de la limitation, c'est exactement ce que vous avez dit. La réplique qui est faite par les bookmakers de manière récurrente, et c'est assez homogène, c'est de se servir du principe de précaution et de prévention à l'addiction, ouais, et d'accuser les joueurs qui gagnent d'être addicts. C'est ça. C'est l'argument. C'est vraiment des connards, hein, les bookfr. Hein. Dès que tu gagnes, c'est vrai que dès que tu gagnes de l'argent, il s'était calmé là depuis Noël. Mais là, ça a repris. Là, il y a des comptes qui se sont refait limiter, qui se refont limiter, notamment chez Winamax et d'autres. Alors quand c'est comme ça, le seul conseil, moi, je m'étais fait limiter d'à peu près, pas tous, mais presque tous les comptes sur le .fr il y a quelques années. Là, malheureusement, la seule technique à ça, bah, c'est d'attendre un an. Au bout d'un an d'inactivité, évidemment, donc tu te connectes plus pendant un an, tu retires tes fonds, enfin, et tu te connectes plus pendant un an. Puis, même si tu retires pas tes fonds, il n'y a pas de souci, parce que dès qu'ils vont, ton compte va passer inactif, ils te font le virement, enfin ils te rendent l'argent qu'il y avait dessus, et ton compte devient supprimé, inactivé après un an. Donc t'attends un an, voilà, bah, de toute façon t'es limité, tu joues plus dessus, hein. Moi ça me l'avait fait sur TheBet et NetBet, je crois. Et ben voilà, j'avais attendu un an, je m'étais recréé un compte, et j'avais fait un test de faire un bet, où je mettais mon unité de mise, c'était 300 balles je crois, ou 400, je sais plus, et ah, j'étais pas limité donc. Voilà, ça c'est une des techniques quand t'es limité, voilà, tu te recrées un compte et voilà. Enfin, tu te recrées un compte, t'attends un an d'inactivité et tu te recrées un compte. Bon, après c'est chiant parce que si tu joues au poker, bah tu peux pas être... voilà. Enfin, tout dépend du site. Pour tout, donc en fait c'est ce qu'on appelle un effet pervers de la loi, on utilise la loi à l'envers, on se sert de la loi contre les consommateurs, tout en utilisant le... En ne protégeant pas les joueurs addicts. Donc il y a une certaine ambivalence, ambiguïté sur ce point-là. Alors, est-ce qu'ils ont droit? Ils n'ont pas le droit. C'est un refus de vente. Bien c'est, sûr. Je le dis depuis plusieurs années et l'ANJ l'a confirmé. La jurisprudence, n'est pas encore au point, parce qu'il y a eu un dossier qui est allé jusqu'en cours de cassation, mais avec d'anciens textes, puisque la loi a évolué et les juges n'ont pas saisi la complexité du dossier. D'accord. Le dossier n'a pas été approfondi par les magistrats et malheureusement ça a été assez décevant, la réponse. Ils ont considéré le parieur comme addict, alors que c'était quelqu'un qui avait un compte positif et qui... D'accord. Voilà, c'était pas un parieur perdant, c'était un parieur gagnant. D'accord. Mais ça a été d'ailleurs le premier réflexe du premier juge, puis de dire vous rapportez pas la preuve que le parieur est gagnant. Et donc en cours d'appel, on a rapporté la preuve que le parieur était gagnant, notamment avec les preuves rapportées par l'opérateur Bwin. D'accord. Et les juges donc n'ont pas voulu encore donner raison malgré tous ces arguments. D'accord. Donc ils ont dit c'est un problème d'addiction. Okay. Problème qui n'a été soulevé par personne, et la Cour de cassation n'a pas voulu regarder le dossier. En fait, ils ont dit bon, mais c'est assez détaillé ce qu'a dit la Cour d'appel. Donc voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un litige qui était avec, je vais dire, un ancien droit, un ancien régime sur lequel il fallait défricher, avancer. Aujourd'hui, l'ANJ a quand même pas mal publié, communiqué là-dessus, confirmé ce que j'expliquais. Les textes aussi sont beaucoup plus clairs. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est un refus de vente pur et simple. Okay. Et la seule raison qui peut pousser un bookmaker à limiter un parieur qui s'est déjà normalement auto-limité, en fixant lui-même ses propres mises, c'est d'avoir un motif légitime pour refuser la vente. Et le seul motif légitime qui existe aujourd'hui, ce serait de considérer que le joueur est addict. Le problème, c'est qu'aucun opérateur ne peut démontrer que le parieur est addict. D'accord. Parce qu'ils ne sont ni psychiatres, ni addictologues, ni psychologues. Ce sont tout simplement des bookmakers. Donc, la difficulté est là. Donc, ensuite, moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour obtenir de la jurisprudence, pour faire arrêter le système de la limitation. J'ai entendu dire par plusieurs clients qu'en Espagne, le problème avait été résolu positivement. Okay. Je n'ai pas réussi à obtenir de cette décision, cette jurisprudence qui interdit, donc du côté judiciaire et plus administratif à ANJ, mais côté judiciaire, de dire, écoutez, vous ne pouvez pas limiter les parieurs. Comme ça, okay. Parce qu'encore une fois, l'esprit et la lettre de la loi
était le jeu responsable. Donc on ouvre le marché concurrentiel et on dit aux parieurs, vous êtes responsable de votre jeu. Donc on fixe des auto-limitations. Ouais. Et le seul à se fixer les auto-limitations, c'est le parieur auto. Donc on est sur ce point-là. Donc le fait qu'un bookmaker vienne vous limiter sur vos propres limites, c'est incompatible. Bien c'est sûr, totalement délirant. Ou sinon, on doit vous dire depuis le début, ben vous ou tout le monde est limité à 50, à 100 euros par pari. C'est ça, ok. Et ce qui semble en pratique invraisemblable, puisque j'ai des clients qui ont pu faire manuellement, valider manuellement chez certains opérateurs, dont notamment Winamax, des paris simples à hauteur de 200 000 euros. Winamax, c'est les meilleurs dans le meilleur et c'est les meilleurs dans le pire. J'aime le dire très souvent. C'est-à-dire que Winamax, clairement, c'est les meilleurs dans les offres promotionnelles en termes de marketing. C'est vraiment les numéros 1. Donc, c'est les meilleurs, même pour jouer au poker, l'interface, c'est tellement agréable. C'est vraiment les meilleurs du bon côté, mais pour les mauvais côtés aussi. C'est-à-dire que eux, Winamax, encore une fois, je vous expliquais, ceux à qui ils limitent leur compte, ils les considèrent comme des traders. C'est vraiment hyper malsain ce que font Winamax. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est les seuls à le faire quasiment. Enfin, peut-être pas les seuls sur le marché français, mais en tout cas, qu'ils le font de manière, comment dirais-je? C'est ouf, c'est-à-dire que si tu prends une cote qui est value à 2 par exemple, non seulement donc ils te refusent le bet parce que t'es un parieur gagnant, donc voilà, t'es catalogué gagnant, peu importe la cote qui te... Hein, mais en plus, ils te prennent la cote et ils te le baissent. Donc c'est-à-dire qu'ils économisent des traders comme employés en fait, grâce aux joueurs gagnants. Donc c'est méga, méga malsain. Et horrible. Voilà, des parieurs, j'ai des copies d'écran de... Alors, je ne donnerai pas le pseudo, mais il y a des copies d'écran et c'est totalement visible. Avec des parieurs qui ont pu parier beaucoup plus, jusqu'à hauteur de 500 000, 600 000 euros. D'accord, ok. Un pari plus élevé. Okay. Donc, on comprend mal quand on voit ce profil-là. Apparemment, hein, en étant objectif et sans être psychiatre ou addictologue, que cette personne présente un comportement probablement addictif. Bien sûr, ouais. Et qu'il n'est pas limité. Et en revanche, on comprend mal pourquoi... moi ou d'autres parieurs seraient limités. Bien sûr, non, mais c'est ça, et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que les bookmakers se servent un petit peu finalement, se serviraient de cette loi pour pour limiter les joueurs finalement qui gagnent. Parce que moi, bon, tous les joueurs dans notre club et moi-même, quand on est limité sur certains bookmakers, la phrase typique qu'on reçoit, en gros, le mail typique, c'est voilà, votre santé mentale, attention, là on voit que ça va peut-être pas trop bien. Pourtant, bon, on a gagné des milliers d'euros chez eux, mais bon, on sait jamais, on n'est pas très bien. Donc voilà, c'est un peu l'excuse qui ressort généralement. Donc voilà, ils se servent de ça finalement pour limiter les joueurs gagnants. Et alors qu'on voit, et le reportage d'Envoyé Spécial l'avait montré il y a 2 ans, que finalement les joueurs qui sont addicts ne sont pas du tout limités, au contraire, sont poussés parfois même à jouer un maximum d'argent. Et donc, c'est pas très net tout ça, quoi. C'est ça, il faut reprendre les règles économiques. On est sur un marché concurrentiel et il y a plusieurs concurrents. Ils sont entre 15 ou 20 selon les années. Et ils essayent de gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, eh bien, on les prend à ceux qui perdent facilement, donc les addicts ou les gens vulnérables. Et on essaye de garder l'argent de ceux qui gagnent. C'est donc, on chasse les joueurs qui gagnent et on garde les joueurs qui perdent. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, c'est problématique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? Est-ce qu'on peut imaginer que dans un monde parfait, plus tard, même les soft bookmakers donc, ne puissent plus vraiment limiter les parieurs gagnants et, impossible. Dans quelle direction vous sentez que ça pourrait aller? Alors, les choses à faire, c'est par exemple, ce qu'on fait là aujourd'hui, communiquer sur le sujet déjà. Tenter d'influencer un petit peu l'ANJ, d'influencer c'est un grand mot, mais de demander à l'ANJ de sanctionner ce type de comportement, puisqu'ils disent que ce n'est pas autorisé, donc administrativement, l'ANJ devrait sanctionner, donc c'est ça qui est à espérer. Donc l'ANJ, pour ceux qui ne savent pas, qu'on précise quand même, c'est l'autorité nationale des jeux. Des jeux, exactement, en France, c'est ça. Qui est chargée de donner les agréments à tous les opérateurs. C'est ça. Donc de valider un petit peu toute la machine. La machine Afrique des opérateurs, hein, clairement, c'est ça. Et il y a un deuxième point, c'est donc il y a le côté ANJ, administratif, et éventuellement que moi ou d'autres gagnent des procès et que ce soit judiciairement fixé. C'est ça. Voilà, il faut... Ouais, mais bon, il y a un côté aussi, c'est que plus les bookmakers augmentent leur chiffre d'affaires, plus ils vont payer d'impôts, plus ça va dans les caisses de l'État aussi. Donc forcément, il y a, tu sais... Hein, dès qu'il y a de l'oseille en jeu, hein, on perd les gens. Donc on sait que voilà, plus le chiffre d'affaires est gros, plus l'État s'en met dans les poches. Donc forcément, il y a un côté de « Ah ouais, faut faire attention, mais quand même... » Ah ouais, putain, tu vois, l'ANJ devrait sanctionner les books, mais pourquoi ils ne les sanctionnent pas aussi? Parce que forcément, plus ils gagnent de l'oseille, plus on les taxe, ils payent d'impôts, et bah voilà, et plus... voilà.
L'État remercie les bookmakers. Donc franchement, ouais, il y a un conflit. Hein, t'as compris. Faut se battre. Moi, je pense que, très honnêtement, je pense que les parieurs sont dans leur bon droit de contester ces limitations. J'ai eu l'occasion de faire avec déjà plusieurs parieurs des constats d'huissier, où c'est qu'on voit deux comptes, donc un compte verrouillé et un compte non verrouillé, où un huissier constate, enclenche deux mêmes mises, une refusée, une non. Donc, on peut arriver à se constituer des preuves Bien sûr. de cette différence. Et le problème de la limitation, soit elle est égale pour tout le monde, C'est ça. égalité de traitement. Ouais. S'il y a une prise de risque sur le marché par un opérateur, eh bien, il lisse et il égalise le risque pour tout le monde. Mais ne traiter différemment les autres, c'est une inégalité de traitement, c'est une discrimination, C'est ça. c'est un refus de vente, ça a tout un tas de qualifications selon le. Je suis obligé de rebondir là-dessus parce que moi j'avais expliqué un système qui permettrait justement de ne pas limiter les parieurs gagnants et d'éviter de prendre trop d'argent aux joueurs perdants. C'est de faire exactement comme Pinnacle, qui est le leader mondial parmi les bookmakers. Ce Pinnacle donc qui ne limite pas les joueurs gagnants mais qui limite le bet max par pari. Et donc moi c'est ce que j'avais proposé. D'ailleurs s'ils veulent je pourrais venir dans les bureaux de l'ANJ pour expliquer exactement le procédé, mais au final il est méga simple. Faire comme Pinnacle et se calquer un peu par rapport à eux au betmax, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de limiter les parieurs gagnants. Si vraiment ils veulent appliquer ça, eh ben ils limitent le betmax, c'est-à-dire que lorsque en early market ça sort sur Pinnacle que le betmax il est à 200 euros ou 150 euros, eh ben hop, le parieur français qui va parier sur Winamax, il pourra mettre sur telle cote que 200 euros parce que c'est le betmax. Voilà, il met 200 euros et c'est fini. Voilà, il peut plus met pas mettre plus sur ce pari et au moins le parieur gagnant peut quand même mettre ses 200 euros et surtout le parieur perdant. Ça va lui faire éviter, s'il veut parier sur ce match, éviter qu'il puisse mettre 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000. Voilà. Mais ça, pourquoi ils le font pas? Bah parce qu'il faut engraisser l'État. Voilà. Voilà pourquoi ils le font pas. C'est qu'ils font les hypocrites. Ils font genre, allez, ouais, faut protéger les joueurs, faut protéger le joueur. Mais ils s'en battent les couilles. Si t'es perdant, que t'es multimillionnaire, que tu peux mettre 100 000 euros sur un match et que ça change rien à ta vie et que tu vas mettre 100 000 euros sur des cotes ultra EV moins. Eh ben ils vont te laisser faire. Par contre, t'es gagnant, tu pourras pas mettre un euro. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Après, ils veulent faire les gens, ouais, on veut le bien. Mais tu m'étonnes, il y a tellement d'intérêt derrière. Il y a trop d'intérêt pour tout le monde, pour les bookmakers et pour l'État. Il y a trop d'intérêt. Donc, du coup, ils veulent pas faire vraiment les choses bien. S'ils voulaient faire les choses bien, ils appliquent ce que je dis, qui est méga simple. Ils utilisent le même protocole que Pinnacle. Et ça se passe très bien. La section du droit, mais dans tous les cas, c'est pas possible, c'est interdit. Voilà. Ok. Et justement, pour rebondir là-dessus, donc ça, c'est pour les limitations, donc les mises qu'on peut faire chez les opérateurs. Mais est-ce que un bookmaker a le droit de proposer certaines promotions, on parle bien de promotions, à certains joueurs et pas à d'autres? Est-ce que ça, en revanche. Alors Tricker, je tiens à te féliciter à nouveau pour la qualité de tes diffusions directes, merci beaucoup. Je sais que tu as une grande expertise et de très bonnes connaissances en paris sportif, je suis flatté. Personnellement, je parie déjà en utilisant les méga codes boostés de Winamax, c'est très bien, c'est super EV+, t'as raison. Et en suivant quelques conseils, je voulais te demander si tu connaissais un pronostiqueur ou une source fiable qui pourrait me fournir un combiné de 3 ou 4 matchs chaque jour. Un combiné, en général, ceux qui proposent des combinés, notamment sur le point FR, ça va être multiplier des cotes EV moins entre elles et ça va faire que du coup, sur le long terme, tu vas perdre bien plus d'argent. Donc non, en général, les gens sérieux ne proposent pas de combiné, sauf si vraiment il y a deux cotes entre elles, ça peut être des cotes faibles ou autres, si vraiment il y a deux values entre elles sur le même book, que tu trouves au même moment que tu peux trouver, mais sinon, ça fait juste augmenter la variance. Et encore une fois, si tu fais une erreur et qu'au final tes cotes sont EV moins, tu multiplies, on va dire, le TRJ vers le bas, c'est-à-dire que tu auras un taux retour joueur sur ce bet théorique encore plus faible. Que si tu les avais pariés en simple, donc non. Il a le droit de le faire. Alors, il a le droit, je dirais, je suis pas. Déjà, Tricker, si ton but c'est de gagner de l'argent dans les paris sportifs, ou du moins en perdre le moins possible, il faut, voilà, je t'invite à venir en MP, et je t'accompagne pour te créer un compte sur Asian Connect ou Piwi, ok, et je t'accompagne, et moi-même je te donnerai de mes bets perso. Voilà pour te remercier de passer par mes liens d'affiliation et voilà. Après, si tu veux rester sur le point FR, voilà. Ok, tu veux rester en argel, il n'y a pas de souci. Prends que les codes boostés limités à 10 euros sur Winamax, sur. Pardon, merde, sur Unibet quand il y en a, sur BetClick quand il y en a, The Bet quand il y en a. Voilà. Si tu prends que ça, tu vas faire un très beau complément de revenu sur le point FR. Il y a qui propose par moment qui sont valus ou Française des Jeux, FDJ, pardon.
Voilà, Rimon qui dit Winamp, Paris en sport, The Bet en code boosté. Ouais, Unibet, BetClick aussi. Et parfois, il y a aussi sur Netbet, Génie Sport, France Paris. Bon, de toute façon, si t'es de partout, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Je dirais que non, surtout que pour ma part, pour être égalitaire, hein, ouais. Notamment, il faut voir sur quelles personnes sont ciblées, parce que si c'est des personnes vulnérables et il y a de fortes chances que ce soit le cas, Ouais. Je dirais que c'est interdit. Alors là, la question, le sens de la question de cette personne qui posait ça, c'est que bah, nous, on a des méthodes qui sont basées, certaines méthodes sont basées sur les bonus des bookmakers. D'accord. Donc, c'est vrai que les bookmakers proposent régulièrement des bonus. Oh putain, les bonus des bookmakers, on parle du coup de BenBet là et du scam là. Putain, on va en parler, hein. De BenBet, ça on va en parler, bah, peut-être pas aujourd'hui, mais ça faut en parler, hein, parce que c'est oufissime. Hein. Le mec, il vend une formation à 400 balles, je crois, et en gros, il te dit dans la formation, voilà, pour profiter des trucs, des promos, des books et tout, et profiter de leurs offres promotionnelles, plus leur code boosté value et tout, de jouer sur 7 comptes différents, voilà, donc tu paries sur le compte de ta mère, ton père, tes frères, soeurs, cousines, ton chien et ton chat, et voilà, et ça te permet du coup de multiplier par 7, en gros, les revenus, donc oui, forcément, oui, c'est sûr que si tu triches, le multi-account, les gars, c'est interdit, hein. Faites-le si vous voulez, voilà, mais je vous dis que c'est interdit, donc à vos risques, c'est péril, hein. Et parfois, ces bonus peuvent avoir une espérance de gain positive. Hein, c'est des value bets, sont des value bets. Et lorsque les joueurs gagnent trop avec ces Ah, bonus, quand de BFC pour info. Ah, je savais pas qu'il avait tourné une vidéo avec cet avocat, la taverne. Bah, ça m'intéresse du coup parce que. Ah ouais, la taverne, sacré rigolo aussi. Hein. J'ai mis ma femme. Non, mais après, voilà, tu vois. Que tu mettes ta femme comme Rimon y fait, j'ai mis ma femme sur Winamp. Et tu lui as conseillé donc de prendre que les GCB depuis janvier. Elle est à plus 700 euros, mais elle garde les sous, bien sûr. Ouais, bah après ça, vous faites comme vous voulez, mais ça, pour moi, ça, c'est pas du multi-account. Tu vois, c'est pas pareil. Le multi-account, c'est vraiment, voilà, donc utiliser soi-même les comptes de tes parents, CSR, enfin voilà, de plusieurs personnes, et du coup, bah, de parier en fait pour toi, et bah, ça, c'est interdit. Après, le problème, c'est que c'est interdit, mais c'est très dur à prouver que. Enfin, quoique, s'il y a enquête avec l'adresse IP, ils peuvent voir que ça vient du même compte. Mais voilà, mais moi, perso, moi, en plus, c'est con, hein, j'ai conseillé même à de la famille proche, mais bon, après, voilà, c'est vrai que quand tu connais rien en paris sportifs, tu te dis, ah non, c'est peut-être risqué et tout, mais moi, je le dis même à mes amis proches, je leur ai dit, mais les gars, mais franchement, dans les paris sportifs, vous faites pas chier. En plus, ils ont quasiment tous un compte Winamax. Je leur dis, mais dès que vous êtes alerté sur la GCB, là, foutez 200 balles sur le compte ou même 100 balles sur votre compte Winamax et vous prenez que les GCB à chaque fois qu'elles sortent. Alors, certes, c'est une manip à faire, voilà, c'est rapide. Hein. Tu prends, tu mets tes 10 balles, tu regardes même pas l'intitulé et tu gagneras entre 50 et 100 euros par mois, comme ça. Voilà. Non, ouais, c'est peut-être 100 euros, peut-être j'abuse, mais en gros, oui, là, ça run good en ce moment. Les gars, c'est cadeau. Putain, franchement, 50 euros par mois, vous crachez dessus tous les mois comme ça, juste pour mettre 10 balles sur une GCB. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, franchement, faut juste même pas regarder, en fait, faut même... Moi, je regarde pas les intitulés, je prends et je mets, et c'est tout, et c'est 50 euros par mois de regback, faut le voir comme du regback, et voilà. Et tant que les gens seront nuls en paris sportif à prendre des codes de merde et qu'ils vont s'engraisser, vous inquiétez pas, les GCB, elle est pas prête de partir, hein. Ils vont continuer à nous faire ce cadeau, hein. De nos joueurs, ouais. Eh bien, les bookmakers, certains, pas tous, hein, vont couper les promotions pour ces joueurs-là et vont continuer à les proposer ailleurs. Putain, les gars, quand même, vous gagnez entre 600 et 1500 euros à l'année. Putain, mais tu pars en vacances, tu te payes un beau truc, tu te fais un beau cadeau à Noël. Ça paye des très beaux cadeaux à Noël, juste ça, en fait. Ça te paye des beaux cadeaux à Noël. Aux autres joueurs, mais vont couper spécifiquement les promotions aux joueurs qui génèrent des gains tous les mois. Pour moi, c'est strictement interdit. Ça, ce serait strictement interdit. Pour moi, c'est strictement interdit parce que y a inégalité de traitement. Okay. Face, c'est une offre publique qui est faite. C'est comme si vous rentriez dans un magasin Nike, vous rentrez, puis on vous regarde, ben, vous, non, vous n'aurez pas les chaussures rouges à moins de 40%. C'est un bon exemple. C'est exactement ça. C'est pourquoi on vous regarde, ben, vous, non. Vous, oui, vous pouvez. C'est pas possible, c'est la même chose. Et c'est qui décide? C'est le vendeur, c'est l'opérateur, c'est en fonction de quoi? De votre tête, de votre nom, de votre couleur de peau, de votre sexe, de votre. Enfin, je sais pas. C'est pas possible. Ok, très bien, mais au moins c'est très clair. Yo, la patate de José Ramirez. La vidéo parle de quoi? C'est un parieur pro. Alors, c'est un. La vidéo s'intitule Paris sportif face à face avec Maître Escande. Donc, Maître Escande qui est l'avocat à gauche. L'avocat qui défie les bookmakers, donc un avocat spécialisé là-dedans. Et c'est un parieur pro. Donc, en gros, il lui pose plein de questions par rapport aux bookmakers français et non français, et voilà, là il lui pose plein de questions, tu pourras voir, je mettrai le replay sur YouTube, vous pouvez même voir la vidéo, d'ailleurs je vous la mets ici, hein, si vous voulez la voir tout seul de votre côté après, regardez, je vous la mets dans le chat, comme ça vous pouvez la voir. Bah lui c'est soi-disant un parieur pro, alors je dis soi-disant parce que j'en ai pas la preuve qu'il est vraiment pro lui, mais oui c'est quelqu'un qui fait du business dans les paris sportifs, oui.
Alors, Pescador, c'est facile à détecter mais difficile à prouver juridiquement, les doubles comptes. Nous, on fermait les doubles comptes, puis le compte principal si le gars abusait trop. Ok, quand tu dis nous, c'était chez qui? Ah, bah oui, je sais où t'as travaillé. Enfin, je sais pas si tu veux le dire. Je sais où il travaillait, je vais pas le dire, mais. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour l'histoire, il y a eu une enquête sur moi d'ailleurs quand je jouais au poker à l'époque. Tu te rappelles que tu me l'avais dit à PV, à Malte, en soirée, t'es venu me voir. Enfin, bref. Enfin, voilà, bon, bref, non, je vais pas en dire trop, mais. Mais ouais, il y a eu une enquête sur moi parce que ça pensait que je trichais sur un truc. Bon, enfin, bref. Salut, pourquoi TheBet ne propose plus de boost et promo depuis le 15? Alors là, on se met bien, désolé, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est bon, bah, je crois que je vous ai répondu. C'est très clair. On viendra en fin de vidéo sur les recours qu'on peut faire, surtout sur ça. Donc, on continue les questions avec là. J'ai des questions un petit peu d'aspect général. Ici, le contexte, en gros, c'est. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait étonné quand même parce que l'ANJ, donc l'Autorité nationale des jeux en France, dit officiellement, et c'est vrai quand on les écoute officiellement, on ne peut pas gagner au pari sportif. Officiellement, ils tiennent ce discours. Ils disent que, sur le long terme, hein, j'entends, voilà, ils tiennent ce discours. Et en même temps, ils disent. Ils mettent en garde les bookmakers de ne pas limiter les gagnants. Et ça, c'est vraiment arrivé dans une note qu'ils avaient fait, je ne sais plus, il y a quelques temps, et c'est peut-être arrivé plusieurs fois, vous me direz, mais ils avaient justement mis en garde les bookmakers en disant, attention, on a eu écho, vous limitiez les joueurs gagnants, faites attention. Bon, ils avaient pas ils n'ont rien fait d'autre, mais en tout cas, ils ont quand même dit. Donc, ils sous-entendent quand même qu'il y a des joueurs qui gagnent, qui peuvent gagner sur le long terme. Et moi, je me suis quand même toujours posé la question sur cette contradiction de l'ANJ, qui en même temps dit, non, on ne peut pas gagner au pari sportif, donc. Oui, protégez-vous de tous les gens qui, soi-disant, sont parieurs professionnels. Alors, c'est vrai que dans ce domaine-là, on est d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. C'est comme dans la crypto-monnaie, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses dans le trading en bourse et plein d'autres choses. Il y a plein d'arnaques. Et du coup, je comprends un petit peu la position de l'ANJ qui dit attention à les parieurs professionnels, ça n'existe pas. Or, en même temps, ils disent il y a des parieurs qui gagnent quand même sur le long terme au pari, et notamment les bookmakers limitent leurs comptes. Moi je dirais, voilà, ma question c'est comment expliquer cette contradiction déjà? Et est-ce que vous pensez qu'ils savent quand même qu'il y a vraiment des joueurs qui gagnent et qui vivent des paris et que c'est possible aussi? Ou alors est-ce que dans leur tête, vous pensez qu'ils sont, non, c'est vraiment impossible, les joueurs qui ont gagné ont eu de la chance? Et quelle vision, d'après vous, ils ont du milieu professionnel, des parieurs En professionnels? fait, la communication de l'ANJ est un petit peu aseptisée parce qu'elle elle va vous dire, oui, vous pouvez pas gagner. Donc, elle ne peut pas lancer le message, dire, vous pouvez gagner au pari sportif. Donc, ça, elle ne peut pas le dire, puisque déjà, c'est interdit de le dire. Mais comment l'ANJ peut dire, vous ne pourrez pas gagner, et comment on voit des publicités à la télé où on vous explique que vous allez gagner. Donc, déjà, l'autorité de régulation explique quelque chose, et derrière, on a des réclames, des publicités qui vous disent l'inverse. Donc, à partir de là, rien que ça, si l'autorité de régulation vous explique quelque chose, et que l'opérateur vous promet quelque chose, d'inverse, on est sur une pratique commerciale déloyale. Vous ne pourrez jamais gagner, d'un côté l'ANJ, et tous les autres opérateurs vont vous expliquer que, en fait, si Et ce n'est vous pourrez pas gagner. très compliqué, probablement. Ah, Voilà, voilà, donc ça c'est déjà le premier point sur l'aspect général des propos tenus du côté de l'opérateur ou du côté du régulateur. Ensuite, si on regarde le côté les parieurs professionnels n'existent pas, ils ont tout intérêt à dire ça, parce que normalement, les parieurs professionnels ne peuvent pas avoir un compte parieur, puisque c'est écrit dans toutes les CGV et CGU des opérateurs, que personne ne peut avoir un compte professionnel, ça doit être fait à titre particulier. Donc, par définition, aucun opérateur peut, en cas de litige, vous dire que vous êtes un professionnel, puisqu'il ne pouvez pas rentrer chez lui si vous êtes un professionnel. Donc, ça veut dire qu'il vous a qualifié dès l'entrée comme un consommateur. Donc, ceci est valable pour les traders, notamment, qui sont en activité chez des opérateurs, qui veulent aller jouer chez d'autres opérateurs. Et c'est écrit dans la loi, c'est l'article 32 de la loi du 12 mai 2010. Donc, c'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas jouer chez son opérateur qui nous emploie, mais on peut jouer chez les autres. Parce que si un trader ne savait pas parier, il ne serait probablement pas embauché. Bien Donc, sûr, il faut qu'il puisse travailler. Et travailler correctement et s'exercer. Donc là, quand on parle de trader, juste pour être clair, c'est les traders chez les Les opérateurs, coteurs, voilà, en le bookmaker, activité, hein. C'est pas les voilà. traders en bourse. Exactement. Donc on parle de ça, les coteurs, enfin voilà, les Bien gens qui sûr. travaillent dans le milieu, sont qualifiés de consommateurs, notamment. J'ai des décisions, des jurisprudences sur ça. Certains voilà, on est allé jusqu'au bout du sujet. Et ce sont des consommateurs. Très Il y bien. a même une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui statue sur même des joueurs de poker professionnels qui vont jouer sur une plateforme en Europe, doivent être considérés comme des consommateurs parce que l'aspect subjectif de la personne ne doit pas remettre en question la nature même du service qui est proposé. Donc,
on est sur de la consommation, donc le critère professionnel n'est pas possible civilement et contractuellement, et ce qui rejoint le côté fiscal, ouais. C'est que si on génère des revenus chez un opérateur ouais. de agréé, le fisc ne peut pas nous considérer c'est ça. Comme un professionnel, parce donc que, non d'accord. imposable, vous voyez. Parce que ouais, sinon, il y aurait une ambivalence aussi. Okay. Voilà. Donc en gros, dans ce milieu-là, officiellement, on ne peut pas être professionnel, on peut, on peut être expert, on peut c'est avoir ça. Des compétences. C'est peut-être ce mot professionnel qui pourrait poser problème au final. Voilà, parce ouais. qu'en... Il y a un tipster rugby que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bon. C'est enfin très bon. Il fait un volume très petit, mais vraiment à chaque fois ses cotes elles drop, mais de malade sur le point fr. Putain, comment il s'appelle? Je sais pas s'il a fait un compte. Ah putain, faudrait que je retrouve. C'est un des seuls en rugby que je trouve waouh. Enfin, du peu que j'ai vu en tout cas. Peut-être qu'il a un avis sur. Des fois, il partage même des avis sans parler de cotes. Ah putain, comment il s'appelle? Attendez, je regarde vite fait. Non, mais c'est intéressant parce que là, ouais, moi, j'aime mettre en avant des gens qui me paraissent sérieux. Au rugby, alors attends, je crois que je l'ai sur Telegram. Je regarde juste mon truc Telegram. Alors, il s'appelle... Oh, putain, il est pas original. Par contre, il s'appelle... Ça s'appelle Rugby Analyse. Rugby Analyse. Alors, canal Telegram du groupe Facebook, Rugby Analyse. Alors, voilà, bah, tu l'écris sans faire de faute. Rugby Analyse sur Facebook et tu le trouveras. Moi, je suis sur son Telegram. Bon, après Telegram ou Facebook, il est surtout sur Facebook, il a une page Facebook et je le trouve. Je l'ai suivi de temps en temps, mais c'est impressionnant. Bon, après, il faut être très réactif sur le .fr parce que ça drop direct. Je l'ai suivi, mais genre des cotes à... Je sais pas, je me rappelle, je crois que la dernière cote, c'était une cote à 1.4 qui a fini à 1.2. Enfin, c'est des values insane. Alors après, peut-être qu'à chaque fois, j'ai eu de la chance et je l'ai suivi pile poil quand... Enfin, quand c'était des énormes values et que j'ai eu la chance d'être réactif, on va dire. Peut-être que d'autres, c'est pas le cas, mais franchement... Et d'ailleurs, lui, pour te dire, hein, lui, je l'avais MP... je lui ai dit, je veux être dans ton groupe privé où tu partages des values à un groupe très restreint parce que c'est vraiment du lourd ce que c'est du lourd ce qu'il envoie. Et il m'a refusé parce que il a d'abord accepté des gens. Et d'ailleurs, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé son approche parce qu'il m'a dit non, je suis désolé, mais là j'ai promis à des gens et surtout ceux qui m'ont soutenu le plus sur les réseaux sociaux à commenter, à liker. Il a dit, c'est eux qui passent en priorité. Bah, franchement, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, chapeau. Voilà, parce que moi à l'époque. Enfin, je l'avais suivi quelques fois, et ouais, des fois, je mettais des likes, mais sans plus, tu vois, j'ai pas été, on va dire, actif. Et ben, franchement, je lui ai dit, bah, chapeau, bah, j'accepte, t'as raison, quoi. Et donc, voilà, et son Telegram, ça s'appelle Pronostic et Analyse Rugby. Attends, ah bah tiens, d'ailleurs, il vient de faire un post. Attends, le 28, ouais, c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, bon, après, par contre, il est... quasiment insuivable, je vous dis la vérité, enfin il a été insuivable parce qu'il y a plein de fois où j'ai pas pu le suivre, parce qu'en gros dès qu'il poste, ça y est la cote elle est déjà plus à cette cote là tellement je pense qu'il doit prendre pour lui ou d'autres, enfin et voilà, et en fait c'est très très dur à suivre, mais par contre j'avais réussi à le suivre sur le hors Argel, donc voilà sur le hors Argel je l'avais suivi, mais ouais en tout cas il m'avait impressionné. En fait, professionnel, c'est une qualification dans le cadre du code de la consommation. Pardon, Offload, je connais pas, mais dis-moi, est-ce qu'il est bon, lui? Bon, c'est un tipster rugby, forcément, j'imagine, du coup. Je sais pas si... Je connais pas Offload. C'est qu'on est soit professionnel, soit consommateur. D'accord. Dès lors que vous êtes inscrit chez un opérateur agréé, vous êtes obligatoirement qualifié de consommateur. D'accord, ok. Donc en fait, il n'y a pas de officiellement, il n'y a pas de parieur professionnel qui et d'ailleurs, il n'y a pas de ce statut d'ailleurs n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Okay. N'est pas imposable. N'est pas reconnu. N'est pas. Okay. Putain, c'est magnifique. Hein. On est rassuré là. Franchement, quand on entend tout ça, on est quand même très très rassuré. Hein. Du coup, une question qui découle un peu de ça, et là, on est vraiment dans le domaine un petit peu des tipsters, justement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tipster, c'est devenu un peu un gros mot, hein, parce que oui. Voilà, tipster, c'est égal arnaque. Tipster, voilà, pour ceux qui ne sont ouais, tricker, bah c'est pour ça que maintenant quand je parle, je mets en pause la vidéo, je parle pas par-dessus, sinon on n'entend rien, mais la vidéo, c'est la vidéo de base, hein. Je suis à fond de partout. Hein. Malheureusement, je suis désolé, je peux pas augmenter. C'est la vidéo de base sur YouTube, elle est trop basse. Donc désolé, mettez-vous le son à fond de votre côté, désolé. Et voilà, et je fais en sorte de pas parler quand la vidéo est en marche, quoi. Je saurais pas ce que c'est, en gros, c'est un. Ça va être c'est un parieur, hein, comme moi ou d'autres, qui vont être experts dans un domaine et qui vont pouvoir justement détecter ces cotations qui sont mal ajustées par les bookmakers. Mais c'est vrai que dans le milieu des tipsters, bah oui, 90% probablement sont sans forcément qualifier d'arnaque, mais ne font pas gagner d'argent parieurs, sont juste du business et du marketing, etc. Exactement. Voire 90%, voire même peut-être plus. Néanmoins, on a vu qu'il y a 1% des parieurs qui gagnent, qui sont probablement experts, en tout cas une partie de ceux-là,
sont experts dans leur domaine, 1% de parieurs qui gagnent, ça représente quand même beaucoup de personnes finalement, ne serait-ce qu'en France, parce qu'il y a des millions de parieurs, je ne sais pas combien exactement, mais du coup ça représente probablement des milliers de personnes, ce qui n'est pas rien quand même. Et donc ces personnes-là qui gagnent au pari sur le long terme pourraient être considérées quand même comme des experts, donc qui ont des compétences dans un domaine. Et comment on peut voir justement, alors là je ne parle pas de tout ce qui est arnaque, tipster, côté arnaque, où là voilà, il y a du tout, comme dans crypto-monnaie, comme je disais, en trading en bourse et tout ça, mais pour une personne qui a une vraie qui gagne elle-même déjà au pari depuis peut-être plusieurs années et qui va vendre une expertise. Comment on peut voir ça aujourd'hui? Comment le droit peut voir ça aujourd'hui? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Donc, oui, alors les tipsters, il y a une qualification générale de tipster qui, déjà, pour remettre les choses en place, selon moi, il y a trois catégories de tipsters. Il y a les arnaqueurs, ceux qui font rêver un peu les gens aussi. Sans, en étant honnête, et qui sont pronostiqueurs, on va dire, ce serait le mot. Et d'autres, il y a les experts un peu mathématiques. Voilà, parce que je pense, moi, en regardant le marché, déjà qu'il y a l'expertise qu'on peut avoir dans le milieu du tipster ou du pronostiqueur, il faut qu'il y ait un côté mathématique, probabilité, statistique. Bien sûr, ouais. Si on ne maîtrise pas ça et qu'on... qu'on parle, oui, je sais que ce soir en NBA, c'est ma vie personnelle. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire c'est trouver des value bets pour l'expert, c'est-à-dire les cotes qui sont mal ajustées. Donc c'est vrai que derrière, il y a des mathématiques, il y a des statistiques. Évidemment. C'est ça, il y a des critères à prendre en compte. Voilà. Donc il y a ce schéma-là. Ensuite, j'ai oublié la suite. La question, c'était comment on peut voir ça, justement, comment le droit peut voir ça, justement, cette expertise dans le milieu du pari sportif. Aujourd'hui, l'expertise du tipster est mal vue, notamment par l'ANJ, par les autorités, parce qu'il y a cette confusion entre les arnaqueurs et les experts. Ils ne veulent pas rentrer dans les détails. C'est interdit dès lors qu'on fait payer qu'on fait payer ce service. D'accord. Ce qu'ils veulent dire. Parce qu'on considère, il y a un texte dans le Code de la consommation qui dit qu'on ne peut pas faire espérer un gain, augmenter les chances d'un gain à un jeu de hasard. On ne peut pas faire miroiter cela. Donc, de ce critère objectif, on va dire, l'ANJ et les autorités pénales considèrent que tout service qui concernerait un avis, un pronostic qui serait payant serait interdit. Donc, on partirait de ce postulat. Ce postulat, selon moi, est faux pour une raison évidente qu'on peut démontrer qu'il y a des résultats objectifs, que ce n'est pas basé sur l'aléa, mais sur des mathématiques, sur une prise de risque. Donc là, on n'est plus sur forcément du jeu de hasard. Et là, on vient à rebours et en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fisc. Ouais. Ça remettrait en question l'angle et la vision du fisc sur les choses. Mais s'il fallait défendre quelqu'un au pénal sur ce point-là, c'est comme ça qu'il faudrait l'articuler, parce que je pense qu'on ne peut pas considérer tous les tipsters, on ne peut pas mettre tous les tipsters dans le même sac. Et il y a l'exemple qui est quand même assez évident, de dire sur les pronostics, il faut savoir que ça fait 70 ans, voire 100 ans peut-être, que dans le turf, sur les paris, sur les courses hippiques, Tiercé Magazine, Paris Turf, vend du pronostic. Effectivement, Donc c'est de la vente. On vous explique que si vous l'achetez, vous pourrez avoir des bons conseils. Donc pourquoi pourquoi cette règle ne s'appliquerait pas aux courses hippiques? Pourquoi elle s'appliquerait uniquement aux paris sportifs? La raison, selon moi, c'est que les autorités sont dépassées par la vague de propositions et de services, les risques d'arnaque qui en découlent, que le pari sportif est bien plus séducteur que les paris hippiques, qui touche plus les jeunes aussi, peut-être. Il maîtrise bien son sujet quand même. J'attends de voir quand il dit les trois catégories de pronostiqueurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs catégories selon moi aussi. Et franchement, il maîtrise bien, alors que lui-même ne parie pas, je pense. Enfin, et il maîtrise bien, franchement, fort. Et le son est mieux là d'ailleurs quand je parle. Il n'est pas trop fort par rapport à la vidéo. Je peux baisser encore. Là, vas-y, je baisse un peu. Voilà. Ouais, j'ai baissé un peu, donc je pense que le son de ma voix, ça devrait aller par rapport à la vidéo. Ouais, tout à l'heure, j'ai capté par rapport... à mon logiciel de OBS, là, j'ai capté que c'était beaucoup trop fort. Merci en tout cas de me l'avoir fait remarquer. Touche plus les jeunes. Il y a une masse. La population des turfistes est quand même plutôt sédentaire. Ouais. Pas trop de jeux en ligne. Enfin, beaucoup moins, je dirais. Et donc, il y a cette tendance à cibler différemment le pari sportif pur que le pari hippique. Mais je pense que c'est une erreur, qu'il doit y avoir une analogie. Et que. La règle de la gratuité n'est pas nécessairement un critère de bon ou de mauvais tipster ou de danger ou de non-danger,
Parce que sur Internet, on le sait, la gratuité n'existe pas. Exact. Il va y avoir une affiliation derrière. Il faut plutôt se méfier de la gratuité, du pronostic gratuit qu'on va vous donner. Ce que apparemment l'ANJ n'a pas encore assimilé ou les autorités, c'est que le pronostic gratuit, à mon sens, est dangereux. C'est que forcément, il va y avoir du vol de données, de l'utilisation de données, de tout ce qu'on peut imaginer, une affiliation un peu... voilà, rien n'est gratuit. Tandis que si on prend un service qui est gratuit et qui est simple, efficace et qui est démontré, et surtout, à mon sens, si personne ne se plaint du service qui est donné et rendu contre rémunération. Ça pourrait être ça même le critère finalement le plus. Voilà, qui se plaint du service. C'est ça. Est-ce que l'autorité publique a à se mêler, à dire ah ben oui, mais vous faites ça, c'est interdit. Mais c'est interdit pourquoi ? Quel est le grief pour les clients ? Et je leur fais gagner de l'argent. Ou je leur en fais pas perdre. Mais c'est intéressant. Globalement, ce serait vraiment parce que, comme vous dites, l'ANJ est dépassée et qu'il y a. C'est par souci de protection globale, elle se dit, vaut mieux faire ça. De toute façon, c'est la seule position finalement que je peux tenir et qui va protéger peut-être un maximum de joueurs potentiellement. Mais effectivement, derrière, ça fait qu'on ne peut pas finalement avoir du vrai conseil, du vrai service d'experts qui peut-être... Franck, tu te considères dans quel rang de parieur ? Question piège ? Non, franchement, moi, pour moi, il n'y a aucune question piège. Je me considère un parieur responsable, honnête. Préventif, je dirais même éducateur dans l'ensemble, parce que j'essaye de faire en sorte de vous donner les meilleurs conseils pour au moins arrêter de perdre de l'argent pour la plupart d'entre vous, enfin de beaucoup, et sinon je me considère pas parieur pro, parce que pour moi parieur pro, encore une fois, je l'ai déjà expliqué ici, tant que je gagne pas 30K à l'année, minimum, grâce à mes propres paris, je parle, je me considérerai pas parieur pro, et j'en suis encore loin quoi. Mais on va dire que voilà, quand tu gagnes l'équivalent plus ou moins d'un SMIC par mois depuis que je débute, je suis assez fier de moi pour l'instant, alors que j'ai encore beaucoup à progresser. Donc, je sais pas, j'espère que ma réponse t'a convaincu. Je donne un exemple tout bête, mais une personne qui aurait travaillé, chez un opérateur qui est trader, qui est un expert, derrière, elle est à son compte, elle travaille plus chez cet opérateur, elle a quand même une expertise qui pourrait être rémunéré, par exemple. C'est vrai qu'il pourrait être vendu. Puis je vais vous dire, je vais ajouter quelque chose. Il faut quand même se méfier aussi de pourquoi les tipsters seraient interdits. Ça fait de l'ombre, ça cause un dommage aux bookmakers. Aux bookmakers, en fait, ça vient affecter les finances des bookmakers. Donc les bookmakers ont tout intérêt à expliquer aux autorités que c'est un danger. Parce qu'en fait, un tipster qui donne de bons conseils fait perdre de l'argent aux bookmakers. C'est vrai, mais en contrepartie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a tellement de mauvais tipsters que du coup... J'aimerais bien rajouter une précision sur ce qu'il vient de dire. Bon, il a raison, évidemment qu'un bon tipster, un parieur qui est gagnant, s'il donne des bons conseils, théoriquement, il va faire gagner de l'argent, enfin, il va faire perdre de l'argent au bookmaker, donc ça, c'est la logique. Bon, après, il y a beaucoup de variances, donc des fois, le mec, il peut être bon et quand même perdre sur un mois et faire perdre, du coup, toute sa communauté. Mais dans tous les cas, même quand quelqu'un... Il faut comprendre que même un top tipster, il va être suivi aussi par des gens qui en ont rien à foutre, qui veulent juste gamble, ils veulent pas se prendre la tête. Par exemple, il va y avoir une cote à 2. Le top tipster va dire, allez, suivez-moi, prenez la cote à 2. Sauf qu'elle va chuter à 1.9, 1.8. Et il y a quand même des gens qui vont la prendre. Donc dans tous les cas, il y a plein de suiveurs qui vont quand même prendre des cotes EV-. Et je pense que même la majorité d'une communauté qui va suivre un top parieur qui est pro, par exemple, même comme Kiyu, tu vois, par exemple, j'en suis sûr qu'il y en a plein. Ils vont le suivre, mais ils vont le prendre à une cote beaucoup plus basse. Et bah ouais, s'ils suivent un tips de Kiyu, de Dorado, de moi, ou d'autres, mais qui prennent à une cote beaucoup plus basse, et ben sur le long terme, la cote sera EV-, et donc ils vont perdre de l'argent, en fait. Et donc au final, même si t'es le meilleur tipster du monde, et ben au final, il y a quand même plein de gens qui vont faire de la merde aussi derrière, même avec l'argent qu'ils auront gagné grâce au tipster, par exemple, grâce au conseil, qui vont faire de la merde. Donc au final, vous inquiétez pas, les bookmakers, ils sont tranquilles. Ça rapporterait en contrepartie à l'opérateur vraiment... Certes, mais ce que je veux dire, c'est que si on affine, si on fait vraiment le job, vraiment le boulot, de dire le tipster réglementé, c'est ça. Si le vrai tipster se développe, oui, c'est ça, exact. Et donc ça va affecter les finances des bookmakers. Les bookmakers ont tout intérêt. Et il y a encore autre chose, c'est qu'il y a certains tipsters qui existent, qui sont affiliés avec les bookmakers directement. Oui, ça je sais. Ça je sais, ça j'aimerais par contre rebondir contre ce monsieur là à droite.
Je reçois, je me suis inscrit à sa newsletter. Je reçois tout le temps des liens d'affiliation. Hein. Il fait des posts, il reçoit des emails personnalisés. Je crois que je les ai supprimés. En mode, voilà, marketing à fond. Lui, t'inquiète pas, hein, le mec à droite, là. Parieur Pro, t'inquiète pas que c'est un top reg marketing aussi, hein, avec son équipe. Et t'inquiète pas qu'il dit, ah oui, je sais, en mode, ah oui, non, mais moi, peut-être, je fais pas. Si, si, il le fait, je reçois des liens en mode, ah ouais, tu veux avoir un bonus dépôt? Je t'envoie mon lien d'affiliation. Donc, à un moment donné, faut être transparent avec les liens d'affiliation. Parce que voilà, avec le rev share, le CPA, ce que tu veux, faut que les gens sachent. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, lui, il en fait de l'affiliation. T'inquiète pas. Hein. Je sais plus le dernier en date, ce que c'était, mais t'inquiète pas, il fait de l'affiliation. Ouais. Voilà. Donc soyons transparents là-dessus quand même. Hein. Il va y avoir une tendance à avoir une. Il y a les bookmakers qui vont avoir la main sur certains tipsters, Ouais. qui ne sont pas réellement des tipsters, qui Oui. sont des influenceurs ou Ça, des choses comme exactement. ça, Ouais. et qui vont créer une spirale. Alors qu'un tipster qui est libre, qui fait bien le job, si on fait quelque chose de virtueux, parce qu'un vrai tipster, à mon sens, un vrai pronostiqueur, quelqu'un qui va aider la communauté des parieurs, est quelqu'un de virtueux qui va aider les gens, et au final, ça va desservir le marché. Bien Le sûr. marché du bookmaker, le bookmaker qui a la main sur certains influenceurs. Et faut pas oublier ça, en fait, hein, c'est que Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. si vous êtes libre de faire les choses, vous êtes forcément, et que vous gagnez, vous êtes forcément l'ennemi des bookmakers. Exactement, ouais. Ouais, donc y a finalement, il y a aussi plusieurs intérêts. Ça revient sur ce que je disais, oui, il a raison dans le fond, il a complètement raison évidemment, mais encore une fois, il y a des gens qui ont une influence, même un top tipster a des grosses influences, et la plupart d'une communauté qui va suivre un top tipster, encore une fois, je vous le dis, va faire de la merde. Va faire de la merde. Donc au final, certes, il n'y a personne d'une communauté, voilà, bah, imaginez, il y a 500 personnes qui sont abonnées, qui payent même un service d'un top tipster mondiaux, bah, même sur les 500, il y en a peut-être la moitié qui ne vont pas prendre les bets, plus, ou des mecs qui vont le suivre à une cote hyper basse, ou alors qui vont faire un combiné à côté et qui vont faire de la merde. Donc au final, ça attire du monde, et ça attire du monde dans tous les cas qui va perdre de l'argent. Donc voilà, c'est une donnée qui est oubliée, mais qui est méga essentielle, selon moi. Là, qui rentrent en C'est... contradiction, qui peuvent faire que. Et il faut savoir que les opérateurs, les bookmakers, ont des lobbyistes qui font le job, qui disent, Ok. voilà, qui disys non, ça, c'est pas bien, les tipsters, vous voyez. Ok, Il très y a des bien, messages ouais. qui sont passés, qui sont véhiculés auprès des autorités pour dire, bon, D'accord. on ne va pas faire dans le détail, on arrête tout, On arrête parce tout. que certains sont trop dangereux. Ouais, c'est ça. Donc, on mélange tout, on crée la confusion. Un Oui, arnaqueur ouais, est un c'est ça. arnaqueur. Les personnes virtueuses. Ben, ce sont des arnaqueurs aussi. Ouais. On les classe automatiquement dans cette catégorie-là. Et puis, vous ne pouvez plus sortir la tête de l'eau parce que vous êtes automatiquement classé dans la catégorie des arnaqueurs. Et puis, la première parole et la qualification qu'on retient toujours de la personne. C'est Si ça. quelqu'un est Ouais. un escroc, ah ben, on vous a dit qu'on était un escroc. Et la personne et le public ne va pas chercher à comprendre. Les juges ne vont pas chercher à comprendre. Attendez, on vous a expliqué que vous étiez un escroc. Il y avait un texte un peu mal écrit qui expliquait que, quand même, en fait, ils ne savent pas trop de quoi les gens parlent. Mais la première impression reste toujours souvent. Mais c'est tout à fait vrai. Et on l'a senti là ces dernières années où le mot tipster qui, quand j'ai moi démarré les paris sportifs il y a 6 ans, était plutôt un terme neutre, en Voilà. tout cas pas péjoratif, et qui est devenu aujourd'hui tipster égale presque arnaque Voilà. dans la tête des gens parce qu'il y a eu aussi des arnaques, hein, c'est clair. Oui, Que, donc, mais tout c'est à vrai fait. qu'ils ont surfé sur ça pour dire, bah, voilà, tous les tipsters sont des arnaques, alors qu'effectivement ce n'est pas le cas. Puis, à savoir que la grosse arnaque qui a été très médiatisée, Ouais. c'était pas un tipster, c'était une pyramide de Ponzi, Oui, c'est apparemment. ça, c'était le fameux. Comment s'appelait ce. Je ne me souviens plus du. Allez, est-ce que quelqu'un se rappelle dans le chat de ce Ponzi inventé là? Parce que je ne me rappelle plus du nom. C'était pas Prono Club. Je sais plus le nom, mais quelqu'un, j'en suis sûr que dans le chat, les gens s'en rappellent de cette énorme arnaque qui a été montée où il fallait lui envoyer tout son oseille. Il pariait pour nous et il nous renvoyait une part. Alors que c'était un putain de Ponzi et après il a scam tout le monde. Je crois que c'est Prono Club, mais dites-moi dans le chat, j'en suis sûr qu'il y en a, ils savent. Ou s'en rappellent. Mais effectivement, c'était Oui, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout Ouais. cas, alors je sais pas où ils en sont. Donc on va parler avec la présomption Bien d'innocence. Mais sûr. les faits apparemment qui sont relatés, c'était une pyramide de Ponzi. Donc il n'y avait pas de pronostic direct. C'était donnez-moi de l'argent, je C'est vais ça. vous en ramener. Et À des hauteurs de, je crois, 10% voilà. par Donc en fait, il mois. gardait l'argent, il l'a redistribué. Il n'y avait aucune expertise là-dedans. C'est ça. En fait, C'était ça a presque pas de lien avec le ça pari n'a pas de sportif. lien. C'est les mêmes Ponzi qu'on va retrouver en crypto, qu'on retrouvait sur Facebook il y a 15 ans, Que Madoff a fait. ou que Madoff a fait Voilà, exactement. donc ça a strictement Donc, rien à voir c'est avec le juste le milieu. packaging, quoi, qui est Voilà, packaging pari voilà. sportif, quoi. Ils ont sauté sur l'occasion du pari sportif pour faire une pyramide de C'est Ponzi. ça. Et alors que là,
je veux dire, il n'y a pas d'argent qui est confié à qui que ce soit. On paye un service, un conseil. Non, c'est sûr. C'est tout à fait détachable, c'est pas comparable. Et en faire l'association, c'est intellectuellement malhonnête. Bah, clairement. Et voilà. Après, comme vous disiez, ça va un peu dans le sens. Pour les bookmakers, ils sont tout gagnants parce qu'on va dire que si on n'autorise que les tipsters gratuits, bah, c'est les tipsters qui vont apporter de l'affiliation et qui vont donner aussi des pronostics perdants, enfin perdants sur le long terme. Qui au final ne vont pas servir les parieurs. Au contraire, ça va faire chuter les parieurs. Exactement. Et donc, ça sert à et, voilà. et on interdit les tipsters payants qui, dans le lot, il y a des mauvais, il y a des bons, mais au moins, on interdit tous les bons. Sachant que les bons, c'est vrai, quand un tipster est bon dans nous, dans notre milieu bah, professionnel, entre guillemets, du pari sportif, bah, c'est vrai que les parieurs, du coup, qui vivent de ça et qui. Bah eux, pour le coup, ils vont avoir tendance à miser beaucoup, à gagner beaucoup, et ça peut représenter, en final, un seul parieur professionnel peut représenter des centaines de parieurs récréatifs en termes de. Donc, je comprends qu'ils veulent se protéger de ça et que finalement, pour le marché, ça puisse être. C'est vrai que si demain, 30% des parieurs sont gagnants, ça va être peut-être compliqué pour le marché. Une autre petite question, on reste sur les sujets un petit peu épineux. Est-ce que c'est légal pour un Français de parier hors ANJ ou chez un broker? Rien d'illégal. Voilà, putain, mais ça c'est méga important. Allez Franck, je dois filer, allez la bise. Merci Valentina et merci, grâce à toi il y a eu le raid de Pokénroll, merci beaucoup à lui aussi. C'est cool, mais les gars, yo Vince PKS, salut Franck, salut tout le monde, salut à toi. Je suis très content. Mettez le son à fond, hein, si c'est pas, je peux pas faire mieux. Hein. Chez vous, si le son est trop bas, mettez plus fort chez vous, désolé. C'était Prono Club donc. C'était pas Thomas Lamas, je sais pas, je connais pas. Donc les gars, là, il vient de dire une bombe. Il vient de lâcher une bombe à tous ceux qui disent « Non, c'est interdit de jouer hors Argel, c'est pas possible, il y a des risques et tout. » Il vient de le dire que voilà, c'est pas illégal. Alors attendez, on remet. Bah, eux, pour le coup, ils vont avoir tendance à miser beaucoup, à gagner beaucoup, et ça peut représenter, en final, un seul parieur professionnel peut représenter des centaines de parieurs récréatifs en termes de... Donc je comprends qu'ils veulent se protéger de ça et que finalement, pour le marché, ça puisse être... C'est vrai que si demain, 30% des parieurs sont gagnants, ça va être peut-être compliqué pour le marché. Une autre petite question, on reste sur les sujets un petit peu épineux. Est-ce que c'est légal pour un Français de parier hors ANJ ou chez un broker? Putain, mon stylo. Est-ce que c'est légal pour un parieur français de parier hors ANJ ou sur un broker? Vous avez la réponse encore mieux d'un avocat fiscaliste spécialisé là-dessus. Il faut que je note. 1,44. Putain, fais chier, attendez deux secondes parce que après j'oublie. Désolé, une minute. Ça, je vais en faire un Reels. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Alors ça, hop là. On est à 1h44 là. Et le 28, parce qu'après j'oublie 28... 09, voilà, je vais en faire un Reels, je vais le balancer de partout celui-là. Parce que ça, la réponse pour moi, alors là, ça peut faire fermer quelques bouches, ça. Hop. Allez, on remet. Rien d'illégal. L'illégalité est en fait pour l'opérateur. Un opérateur non agréé ne peut pas proposer à des Français... des paris sportifs. Donc c'est l'illégalité est du côté de l'opérateur. Merci beaucoup. Point à la ligne. Lui qui est condamné, c'est l'opérateur qui est condamné parce qu'il propose des paris à un Français. Mais en revanche, un Français qui va parier chez un opérateur étranger, il n'aura pas de recours effectif sur le territoire français parce qu'il y a une offre, on va dire, encadrée, agréée en France. Et le juge donc ne peut pas, parce que ça c'est prévu dans le code pénal et le code civil, que les jeux clandestins, on ne peut pas faire de recours dessus. C'est la même chose que sur la sanction même du joueur. Si on va jouer dans un tripot au fin fond d'un sous-sol à une partie de poker ou faire du casino, en fait, on va arrêter le croupier, le banquier, l'organisateur du jeu, toutes les personnes qui ont mis en œuvre cette organisation. Mais le joueur, le parieur, est victime de ce système. Franchement, ce qu'il vient de dire, c'est sublime. J'ai envie de lui faire un câlin à ce monsieur, sans déconner. Et du coup, ça, je rebondis sur ça parce qu'en disant, voilà, par contre, évidemment, l'ANJ, hors ANJ, un XBET, stack, ce que tu veux, s'ils veulent te scam, ils te scam. C'est-à-dire qu'ils te scam, tu peux rien faire, faut pas aller après chialer, évidemment. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, déposez le minimum quand vous jouez hors Argel, comme moi d'ailleurs, je laisse jamais beaucoup dessus parce que plus tu laisses d'argent sur un bookmaker hors Argel, donc qui n'est pas français,
plus la probabilité de scam augmente. Un mec qui gagne 1 million au casino, en ligne, ou 500 000 ou 100 000, t'inquiète pas, il n'arrivera pas à retirer, sauf s'il a un deal avec le casino, si c'est un influenceur ou quoi, mais vous inquiétez pas, sinon, vous croyez quoi? Vous allez sur Stack, vous gagnez un jeu, waouh, putain, 100 000, vous croyez que les 100 000 vont arriver sur votre compte normal, comme ça, ils vont vous laisser, mais oui, bien sûr. Ou alors peut-être, oui, il y aura des cas que oui, mais sinon, dans la majorité des cas, ils vont garder l'argent. Donc voilà, faites attention, voilà. Donc en fait, on ne peut rien lui reprocher. Par contre, méfiance, parce que, il peut y avoir des difficultés pour récupérer l'argent. Et une fois qu'elle est récupérée, votre banquier peut se poser la question, quelle est l'origine des fonds? C'est ça. Donc là, par exemple, pour quelqu'un qui ferait des retraits sur les bookmakers comme ça étrangers, c'est quoi? C'est avoir des preuves de, par exemple, garder tous les historiques de ses C'est paris. ça, c'est ça. Moi, je dirais avoir gardé un historique assez sérieux de l'origine des fonds et également éventuellement de l'agrément qu'a obtenu, je ne sais pas moi si c'est un bookmaker asiatique ou UK, ou je ne sais pas s'il a un certificat de la Gambling Commission, de dire ben voilà, j'ai parié sur un opérateur agréé en Europe ou hors Europe, c'est quand même quelque chose De légal, de légal. Peut-être que ça ne correspond pas aux standards français, mais ça, ce n'est pas du blanchiment, Oui, c'est bien pas. sûr. Voilà. Après, c'est toujours pareil, les banquiers ne font pas dans le détail et ils ne se posent pas la question. Et généralement, ils ferment le compte bancaire du parieur. Donc il y a d'autres choses à faire. Voilà, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais sur le point de la légalité, rien n'est interdit. OK. Pour Ça, le joueur, en tout les cas, le autorités, parieur, naturellement, déconseillent ce bien genre de sûr. pratique, mais je dirais le fameux mot de l'histoire, c'est à vos risques et périls. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut être honnête quand même. C'est quand même rare. En tout cas, moi, j'ai eu, en 6 ans, j'ai eu très peu d'échos de ça, de parieurs chez les bookmakers NG qui n'ont pas récupéré leurs fonds. Parfois, les comptes sont limités. Parfois, on va dire que le compte est fermé ou on demande la fermeture du compte. Mais généralement, peut-être que vous allez me dire l'inverse, hein, mais moi, en tout cas, j'ai jamais. Je trouve que niveau sécurité pour récupérer ses fonds, la grande majorité du temps, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais quasiment entendu un seul problème en 6 ans à ce niveau-là. Alors vous, peut-être que c'est Chez des différent. opérateurs, ANJ, là, je parle. d'accord. Enfin, il y a plus de rétention et de problèmes avec les opérateurs ANJ que hors ANJ. Non, je crois pas justement. Je pense que quand il y a plus de limitations chez les ANJ, par Oui. exemple, par contre, la sécurité des fonds, quand on veut les récupérer, généralement, ça se passe bien. Non, peut-être pas. Non, Alors bon, alors non, en tout cas, non, voilà. des échos que j'ai eus, Non. moi, j'ai jamais eu de problème en 6 ans Voilà, non, mais et. j'ai Ok. beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui ont du mal à récupérer Ok. l'argent auprès des opérateurs ANJ. D'accord. Ce qui, c'est vrai que quand on parle à quelqu'un qui ne connaît pas le milieu des paris Ouais. sportifs, quand on dit ben, je suis avocat et j'attaque la FDJ, j'attaque PMU, j'attaque Ouais. Winamax, pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas les parieurs. Ok. On dit ah bon, ça existe, c'est possible. Oui, c'est très, très fréquent en fait. Il y a toujours. Ça, je me rappelle, c'est un truc que j'avais vu. J'étais choqué parce que je savais pas moi. Personnellement, je vous jure que enfin, je savais pas qu'il y avait autant de problèmes, même en NJ. Je sais pas, des mecs qui gagnent et après on les limite. J'en avais entendu un à l'époque sur Betclic, voilà, où une énorme somme avait été posée sur une erreur de cote. Et la personne, ouais, il y a eu enquête, fermeture des comptes. Et d'ailleurs, je viens d'épingler le message. Les gars, allez suivre le média parieur si vous avez des soucis. C'est un médiateur. Un justicier dans les paris sportifs en France, et donc forcément, s'il y a des problèmes, lui il peut aider à mettre pression, à faire pression ou alors à vous aider. Donc, vous pouvez le envoyer un MP si vous avez un souci, par exemple, vous passez une grosse cote, vous gagnez beaucoup d'argent et hop, vous avez un souci, votre compte est suspendu ou j'en sais rien. Vous pouvez, voilà, si vous êtes accusé, pardon, pas accusé, si vous êtes victime d'une injustice dans les paris sportifs sur les books français, allez suivre le compte, le Twitter, allez-y. Le gars parle une fois que le pari est payé, tandis que l'avocat parle quand le pari n'est pas encore payé. Donc ils ne se sont pas compris sur cette question, je pense. Ah ok, bon. Vas-y, on va continuer. En fait, il y a un problème de législation en France qui, à mon avis, est au cœur du problème, c'est le TRJ, le taux de retour au Ouais. joueur. Il faut savoir que les opérateurs français sont plafonnés à 85% de taux de retour au joueur. Ça veut dire Alors, que. juste pour préciser, le taux de retour joueur, c'est, on pourrait appeler ça la marge que prend le bookmaker C'est finalement sur ça. les cotes. C'est ça. Alors, il faut bien comprendre que si le bookmaker fait beaucoup de marge, Oui. c'est bien. C'est ce OK. qu'on nous explique. S'il n'en fait pas assez, c'est pas bien. D'accord. Donc, ça veut dire que si on retourne aux joueurs maximum 85%, on est à la limite. D'accord. Si on dépasse les 85%, par exemple, un opérateur est à 90%, on considère qu'il favorise l'addiction au jeu parce qu'il redistribue trop de gains. D'accord, Et ça donc, c'est curieux quand même. OK. beaucoup d'opérateurs aujourd'hui, Ouais. la moitié environ, C'est ce qu'on appelle un truc d'enculé.
Voilà, c'est littéralement ce qu'on appelle un truc d'enculé, c'est-à-dire qu'ils mettent cette règle. Au final, moi, je pense, ma théorie perso, c'est ça, c'est pourquoi faut pas dépasser 85%. C'est pas pour lutter contre l'addiction, parce que si on redistribue trop d'argent aux joueurs, il va jouer plus, ça favorise l'addiction. Ça, c'est une excuse de merde. C'est juste que voilà, si tu plafonnes à 85%, du coup, ben le bookmaker gagne bien plus d'argent, et si le bookmaker gagne plus d'argent, il paye plus d'impôts et l'État se gave aussi. Sont devant la commission des sanctions de l'ANJ parce qu'ils ne respectent pas le taux de retour aux joueurs. D'accord. Donc, comment faire pour respecter ce taux de retour aux joueurs ? Vous ne payez pas les joueurs qui gagnent. D'accord. Donc, en fait, si vous le mettez, l'argent, vous le mettez en litige, vous dites, eh ben, tenez, là, il y a 100 000 euros qui est en litige, ah ben, je suis en dessous du taux de retour aux joueurs, je ne l'ai pas redistribué cet argent. D'accord, ah oui. Donc, en fait, il y a une contrainte. Il y a une contrainte. En fait, c'est un moyen. Mmh. Et donc, quel est l'intérêt également, parce qu'on revient sur ce déséquilibre qu'il y a de favoriser l'addiction et de ne pas payer les joueurs qui gagnent, ouais. C'est donc c'est ce taux de retour aux joueurs, parce que le taux de retour aux joueurs, si vous dépouillez les addicts, votre taux de retour aux joueurs, il est faible. Oui. Si vous ne payez pas les parieurs qui gagnent, votre taux de retour aux joueurs, il est faible. Oui. Donc ces deux outils permettent d'abaisser le taux de retour aux joueurs et de rester dans les clous normatifs de l'agrément en France, ce qui est totalement contradictoire avec la compréhension que peut avoir le joueur du pari sportif. Si il gagne trop, c'est d'ailleurs sur Winamax, vous vous rappelez des grosses cotes boostées et méga value à Noël. Je pense que ma théorie, c'est ça. Hein. Enfin, c'est ma théorie perso. Je ne travaille pas chez Winamax pour le savoir. Mais en gros, s'ils ont fait des cadeaux énormissimes avec des limitations à 10 000 par bet sur des énormes values, c'est juste qu'en fait, un pari qui est placé, selon moi, un pari qui est placé chez le bookmaker, même si le pari il est encore en cours, il est considéré comme, cet argent est considéré comme perdu. Enfin, il est considéré dans l'argent, dans les comptes de Winamax. Et en gros, je pense qu'ils ne rentraient pas dans les clous en termes de taux retour joueur. Ils avaient un taux retour joueur, selon moi, qui dépassait 85% à l'approche de Noël. Et du coup, ils ont fait ça pour... Alors certes, ça leur a coûté de l'oseille. C'est forcément... Enfin, ça leur a coûté de l'oseille vu que c'était des grosses values et que les gens pouvaient surbet et assurer des gains. Je pense que ça, ils ont perdu beaucoup d'argent. Enfin, ils ont perdu de l'argent sur ça, mais c'était pour rentrer dans les clous, pour pas se faire fermer... voilà, pour pas fermer l'entreprise Winamax. Et en gros, d'ailleurs, c'est même pour ça, en plus, qu'ils payaient en janvier. J'imagine que les comptes, en termes de compta, c'est de janvier à janvier, enfin de décembre, vous avez compris, année par année. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de paris. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, qui ont été payés après en janvier. Je pense que c'était pour rentrer dans les clous et je pense que début janvier, bah Winamax, ils ont redistribué beaucoup d'argent. Mais bon, j'ai aucun souci pour eux. Voilà. Ça, c'est ma théorie perso, qui me paraît la plus logique hein, d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos théories, pourquoi ils ont fait des codes boostés autant value à Noël dans le but de perdre beaucoup d'argent. C'était forcément à cause de ça, je pense. Et en plus, c'est vrai, ils ont bien chaté. Autant pour moi, GPN, t'as raison. Ils ont énormément chaté. Moi, j'ai réussi à perdre de l'argent quand même. Là-dessus, en gamble, parce que j'ai pas surbet. Bon, bah, ça arrive. Mais j'ai préféré lever à l'argent sécurisé. Mais ouais. Et en plus, ils ont chaté de ouf. Donc, franchement, Winamax aux anges. Ça fait augmenter le taux de retour aux joueurs du bookmaker. Et donc, le bookmaker va être sanctionné, ce qui peut entraîner la suspension de son agrément, le retrait de son agrément ou une amende. Mais c'est quand même incroyable quand même quand on y pense que le bookmaker soit sanctionné parce qu'il redistribue trop d'argent aux joueurs. Exactement. Donc en fait, et là encore, il est vrai que ce problème en fait de fréquence, de redistribution de gains rend addictif. Il y a des études sur ça que le jeu le plus addictif au monde, c'est le Bandit Man Show, la machine à sous dans les casinos. Elle est paramétrée pour redistribuer environ 95%. Il y a un taux de retour aux joueurs entre 95 voire des fois 97%. D'accord. Donc en fait vous jouez, vous avez l'impression que vous perdez pas quoi. On a l'impression de gagner parce qu'en fait il y a une récurrence, un jeu, une mise, vous gagnez, et en fait à la fin vous perdez, vous y passez la journée. Ouais. Et en fait on s'est rendu compte que ce mécanisme de répétition de gain et de mise en fait provoque un mécanisme addictif chez les personnes. Okay. Donc en fait ce taux de 85% s'explique par ça, mais le pari sportif est un petit peu différent et à mon sens, mais si vous voulez, on est toujours dans un effet pervers de la loi qui dit il y a cette addiction à protéger, mais la protection de l'addiction par le taux de retour aux joueurs passe par la dépossession de l'addict vers le bookmaker, ce qui pose une contradiction hallucinante. Complètement. Et ça, je pense que ce n'est pas arrivé dans le cerveau des autorités, parce que s'ils veulent, je leur expliquerai encore et encore, mais je pense être confiant et sûr de ce que je dis, c'est totalement schizophrène. Enfin, ce genre de... Vous voyez ce que je veux dire? Complètement, oui.
Ok, donc ça expliquerait en tout cas, c'est une partie qui expliquerait pourquoi finalement il y a quand même les bookmakers NG qui ne débloquent pas l'argent pour les parieurs. Mais pour ne pas se faire sanctionner après par NG. D'accord, ben, c'est quelque chose que j'ignorais complètement ça, mais d'accord. Voilà. C'est assez hallucinant effectivement. Ok, pour la partie, pour cette partie de questions, dernière partie. On va passer sur les recours possibles. Donc, le contexte, c'est le suivant. Des joueurs limités, des comptes fermés, des paris gagnants annulés. En gros, beaucoup de pratiques abusives chez les bookmakers. Quand on est un joueur dont le compte est limité chez un bookmaker ANJ, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc, ça, c'est la majorité. Il y a beaucoup de joueurs chez nous qui, voilà. C'est le cas. Alors, on peut, premier recours gratuit, simple, mais pas efficace, c'est la médiation. Okay. Alors, la médiation, pour expliquer à tout le monde concrètement, c'est quelque chose qui reste confidentiel, qui est organisé par l'autorité de régulation, l'ANJ, avec un médiateur. Donc, c'est une autorité indépendante de l'ANJ, mais c'est le médiateur ANJ, donc ça crée une petite confusion. Mais donc, la médiation est quelque chose de confidentiel, qui n'est pas contraignant. Donc, ça veut dire que ou le parieur ou l'opérateur peut arrêter la médiation et le contenu de la médiation ne pourra jamais être relaté devant une juridiction ou à quiconque, sauf à son avocat, pour connaître le contexte, mais la confidentialité reste. Donc, ça veut dire que même si le médiateur ANJ vous donne raison, l'opérateur n'est pas censé accepter la proposition du médiateur. D'accord, ok. Donc, en d'autres termes, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, d'accord. C'est parce que, dans les faits, les opérateurs sont généralement de mauvaise foi. Ils font semblant, ils s'assoient à la table des négociations ou de la médiation pour dire « voyez, on l'a fait », parce qu'il y a des statistiques qui sont tenues. On a fait, toutes les médiations ont été acceptées, tout va bien, mais on ne sait pas que ça a été refusé. Mmh. En fait, si vous voulez, vous faites quelque chose pour rien. D'accord. Okay. Enfin, clairement, si ça n'aboutit pas, c'est du vent. Voilà. D'accord. Okay. Alors, à savoir que le recours au médiateur est suspensif, donc ça veut dire que pour aller, par exemple, au tribunal, vous avez 5 ans à partir de la date de souscription du contrat. D'accord. Si vous allez en médiation, on va dire que le délai de recours est suspendu. D'accord. Si ça dure un an, la médiation, si on force le trait, pendant un an, donc vous aurez 6 ans, si vous voulez, à partir de la date de souscription. Okay. Vous rajoutez le temps de la médiation, le temps de saisir le juge. Voilà. D'accord. Mais alors, est-ce que vous le conseilleriez quand même ou pas? Parce que si ce n'est pas très efficace, ça peut faire perdre du temps, de l'énergie. Moi, je, il faut le faire. Moi, je peux dire qu'on peut, le conseiller. Donc, tout dépend du montant. Voilà, ça peut rassurer le client, le parieur. De se dire voilà, je tente ma chance comme ça, parce que quand c'est une première fois, on tente sa chance, on voit un peu le système et tout. Après, quand c'est la 2e ou 3e fois, on me pose la question, comment on fait pour éviter ça, c'est ça. Donc mais après, si ça rassure, faut y aller, parce que c'est, voilà, au moins c'est tout est honnête, transparent, il y a pas de, voilà, les gens sont rassurés. Après, il peut y avoir un avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui on tend vers une justice privée, donc vous saisissez le juge judiciaire, donc qui est l'autorité publique, qui sont des fonctionnaires avec une justice gratuite. Okay. La tendance est à tenter d'imposer des médiations judiciaires. Médiations judiciaires, donc, qui correspondent à une justice privée avec des médiateurs qui sont des anciens magistrats ou des avocats qui vous prennent entre 300 et 350 euros de l'heure. D'accord. Pour résoudre votre litige. Okay. Qui normalement doit être, donc déjà vous payez votre avocat et vous devez en plus payer un médiateur. Okay. À des prix exorbitant. Mmh. Exorbitant pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. En plus. Ce sont des gens qui savent apparemment médier, voilà, qui connaissent la médiation. Donc, ils se foutent complètement du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, vous auriez un intérêt à ne pas aller au tribunal. D'accord. Okay. Et pour avoir cette solution, il faut payer. Mmh. Alors que et ce genre de solution arrive parfois au bout de 2 ans, quand la chancellerie, le ministère de la Justice a décidé qu'il faut mettre un grand coup de fouet et faire sortir des dossiers du ministère de la Justice, donc on renvoie vers de la justice privée. Si vous allez en médiation ANJ, c'est un argument pour refuser la médiation judiciaire et dire, écoutez, je suis déjà à la médiation, qui celle-là est gratuite, donc je ne vais pas recommencer, comprenez, voilà. Ah oui, parce que sinon ils peuvent l'imposer quasiment. Alors, il y a des injonctions qui sont faites, ils ne peuvent pas l'imposer directement, ils vous imposent de faire une réunion gratuite de médiation. D'accord. On vous explique que ça ne sert à rien de faire du contentieux. À savoir que je n'aime pas trop la méthode qui est lancée par les juges, qui correspond, et au système, qui correspond à faire de la justice privée, ça n'a pas vocation, et à prendre les avocats comme moi pour des abrutis. Mmh. Parce que si, moi je privilégie toujours l'accord amiable, j'essaye toujours, et la plupart de mes clients le savent, d'aller à la solution amiable avec l'opérateur. D'accord. De payer le gain, d'exposer les arguments juridiques et de dire, voilà, vous êtes en tort pour telle et telle raison, on pourrait aller au tribunal pour telle et telle raison, ce serait appréciable qu'on trouve une solution. Il n'y a pas besoin d'un médiateur, il n'y a pas besoin... voilà, donc le fait de dire les avocats sont des vendeurs de contentieux, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas du tout la vision que j'ai
du contentieux. Au contraire, c'est de dire, il y a cette solution, mais c'est vraiment l'ultime solution. C'est le dernier recours. C'est le dernier recours, voilà. Okay. Parce que 90% des cas que je traite, alors c'est en train de diminuer, mais c'était de la négociation, de la transaction. Il n'y avait pas de litige. Là, aujourd'hui, on est obligé d'aller au litige parce qu'il y a de moins, les opérateurs veulent de moins en moins aller à la négociation parce que les contentieux se multiplient. Et on sait qu'il y a une tendance à vouloir rallonger le litige, ouais. Ce qui peut être dissuasif pour le parieur, bien sûr. Discréditer l'avocat qui gère, dire, parce que des clients peuvent dire « Oui, mais ça ne sert à rien. En fait, ce qu'on fait, ça prend du temps. L'objectif de l'opérateur, c'est de faire durer le plaisir parce que l'opérateur est multimillionnaire, voire milliardaire. Ouais, c'est ça. Payer un avocat, ça ne les dérange pas. Mm. Surtout qu'eux ne payent même pas la TVA sur les frais d'avocat. Le consommateur doit payer en plus de la TVA. Exact. Il y a un désavantage déjà sur l'accès au droit qui est lamentable en France. Donc, on est quand même sur un déséquilibre, sur une stratégie de dissuasion de l'opérateur envers le consommateur. Ouais. Moi, je dirais, il ne faut pas baisser les bras. Choisissez un avocat en qui vous ayez confiance, qui ne va pas... parce que j'ai eu malheureusement des fois à récupérer des dossiers. C'était catastrophique. Voilà. Donc, il faut avoir confiance en son avocat. Si on n'a pas confiance, on n'y va pas. Voilà, c'est vraiment la chose qu'il faut dire. Et pas se laisser embarquer par le système où l'ANJ vous dit bon, ben, il faut absolument faire la médiation. Après, vous allez voir le juge, il faut absolument faire la médiation. Ouais, en fait, on est en train de vous expliquer qu'un avocat ne sert à rien, qu'en fait, vous pouvez régler vos problèmes tout seul. Alors qu'en fait, vous perdez plus du temps qu'autre chose. On perd du temps et le problème, c'est que vous allez vous faire avoir et que le problème ne se réglera pas tout seul parce que l'opérateur. Il n'a pas de pression finalement. Il n'a pas de pression. Voilà, c'est ça le truc. C'est soit vous allez aller au combat, c'est une question d'honneur et de. Voilà, parce que vous avez une confiance légitime envers l'opérateur. Vous misez, vous déposez votre argent chez lui, et en fait, il vous le retourne pas. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était pour, ouais, effectivement, pour la question, effectivement, des de la médiation. Alors la médiation et la médiation marche aussi pour les comptes limités, hein, c'est ça. Tout litige, on peut faire de la médiation. Et encore une fois, je vous dis, notamment sur les comptes limités, la médiation, le médiateur dit oui, vous avez pas le droit, par exemple. Ouais. Et l'opérateur, il dit oui, mais moi, je suis pas d'accord. Merci, au revoir. Et puis les choses continuent. Donc le client revient voir l'avocat. Ça, ça ne s'arrête pas, quoi. Voilà. Et donc vous perdez du temps. Et l'objectif, c'est que oui, surtout pour un compte limité, ça veut dire que vous perdez du temps pour gagner de l'argent. Alors justement, par rapport aux comptes limités, est-ce que aujourd'hui, il y a un espoir quand on a un ou plusieurs comptes limités? De les faire délimiter, débloquer. Oui. Oui, il y a un espoir. Oui, il y a un espoir. C'est d'abord de rentrer en contact avec l'opérateur. Moi, je pense que la mise en demeure. Via un avocat, là, on parle. Hein, parce que sinon, voilà. Si on leur envoie un mail, ça ne va rien. Non, ça ne changera rien. Je dirais que, quand même, essayer d'avoir une réponse simple par mail ou sur le chat de l'opérateur, dire pourquoi vous faites ça. Oui, c'est ça. Avoir quand même une première réponse, ça aide ou ça m'aide à avoir une vision de ce qui pourrait exposer. Voilà, donc ça permet d'avancer dans la mise en demeure. Mais moi, je dirais qu'une mise en demeure est absolument à faire, puisque si on évalue le préjudice de la personne qui a une perte de chance ou une perte de gain, lorsqu'on pose la perte de chance, dès lors que la mise en demeure est reçue par l'opérateur, ça fait courir les intérêts moratoires. D'accord. Donc à partir de ce jour-là, et si le procès dure 5, 6, 7, 10 ans, enfin j'exagère, mais les intérêts courent à partir du jour de la mise en demeure. Ok, très bien. Donc ça peut récompenser, si vous voulez, la lenteur de la justice. D'accord. Sur ce fait. Ok, très bien. Bon, c'est un petit peu la même chose, autre question, là on arrive à la fin, mais quel recours lorsque le compte du joueur donc, est fermé et l'argent non rendu au joueur? Bon, là on rebondit un peu sur la même chose, on va être sur. Alors, quel recours? Alors, il faut savoir que récemment, l'ANJ, et il y a un arrêté qui a été donné sur ça, un arrêté explicatif, qui explique que même s'il y a une fraude ou un blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, donc on est dans des cas graves, l'opérateur doit restituer l'argent au parieur. D'accord. Donc pourquoi? Et on parle d'immédiateté de paiement. D'accord. Et c'est posé plusieurs fois par le législateur, par l'ANJ, on parle de ça, parce qu'en fait, l'argument qui est posé par les opérateurs, qui est souvent de dire « Ah oui, mais on soupçonne un blanchiment de capitaux, donc ça permettrait de confisquer l'argent », les autorités pénales disent qu'en fait, la difficulté, c'est que vous devez faire de la prévention et ne pas laisser rentrer l'argent chez vous. Oui, c'est ça. D'accord. Mais une fois que l'argent est rentré chez vous, vous devez le laisser ressortir pour que la commission de l'infraction pénale soit faite. Donc en fait, l'argument de dire « Oui, on soupçonne des fraudes ou je ne sais quoi » ne tient plus. Mmh. Parce que si c'est cet argument-là qui est de nature pénale, qui est en fait fausse, hein, on l'a tous compris, en fait, ne peut plus exister. D'accord, ok. Ne peut plus exister. Donc, ce que doit faire l'opérateur de jeu,
C'est une déclaration à TracFin. Et TracFin, l'autorité pénale, celle qui agit. D'accord. C'est OK. Mais c'est pas l'opérateur de garder. C'est pas l'opérateur ne peut pas confisquer l'argent. Et donc faut en être conscient. Donc vous êtes dans votre bon droit quand vous dites bon après l'annulation de Paris. Là, on est sur du délire total. Confiscation des fonds pour des collusions ou je ne sais quoi. Faut se rendre compte que même pour voilà du blanchiment de capitaux, les autorités vous disent vous rendez l'argent. Ouais. Le problème se règle après. Donc moi je dirais, il faudrait même que l'opérateur, s'il y a un litige sur les fonds, c'est de dire OK, il y a, on rend l'argent au parieur et après on assigne le parieur. D'accord, mais okay. On peut pas assigner c'est pas au parieur d'assigner parce que l'opérateur confisque les fonds. Bien sûr. OK, c'est très clair. Dans ce cas, pour quel autre motif on peut parce que moi ce que je vois là, c'est l'impression que j'ai, c'est que finalement la médiation ça a un intérêt extrêmement limité. Donc pour un parieur finalement qui va avoir un problème avec un bookmaker, peu importe le problème, un peu tout ce dont on vient de parler, finalement le seul recours qu'il a, ça va être finalement de faire appel à un avocat. J'ai la sensation que c'est un peu ça. C'est un peu ça. À partir de quel parce qu'un avocat voilà, ça a un coût hein, c'est une procédure, voilà, donc souvent pour un parieur, ça dépend un petit peu du niveau du parieur et des gains qu'il fait aussi au pari et du montant du litige, mais pour vous, à partir de quel voilà, un parieur, voilà, il y a 200 euros en jeu, 300 euros, est-ce que c'est intéressant, 3000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, à partir de quel moment le parieur peut se poser la question de se dire, bon, bah, ça vaut peut-être le coup que j'aille finalement voir Maître Escandre ou un autre avocat spécialiste des jeux d'argent qui va m'aider, quoi. Alors, moi, je dirais que ça devient rentable pour quelqu'un qui a, de aller voir un avocat à partir d'un litige au-dessus de 6 000 euros. D'accord. Okay. Au-dessus de 6 000 euros, voilà, on peut faire quelque chose qui, sur un rapport prix-retour sur investissement, qui est à peu près convenable. Après, il y a plusieurs autres choses. J'ai des clients, par exemple, sur des litiges à 2 000, 3 000 euros. D'accord. Avec lesquels, voilà, où j'ai pu aller jusqu'en cours d'appel, voire en cours de cassation, parce que c'est une question d'honneur, peu importe. Alors, les frais d'avocat ont été remboursés. Donc à la fin, c'est happy end. Voilà, quand on gagne, il y a une grosse partie des frais qui sont remboursés. Voilà, mais il y a des gens, c'est une question d'honneur de ne pas se laisser avoir par les opérateurs. Et une fois que le problème est résolu de manière judiciaire, que c'est gagnant, il faut savoir qu'en général, on ne vous embête plus. Vous voyez ce que je veux dire aussi, ouais, c'est qu'en fait, c'est peut-être un combat de se dire, vous misez sur votre avocat. Bien sûr, oui, c'est ça. c'est ça, parce qu'en fait, si vous avez gagné votre procès, les bookmakers vont dire, OK, lui, on le pastille, hein, il aura sa pastille d'une couleur. C'est ça, c'est un peu validé parce qu'on se dit, en fait, il n'est pas dissuadé par le critère financier d'aller au bout. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas limité, Serge Abitbol, toi qui es donc le média parieur que j'ai en message épinglé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu n'es pas épinglé, parce que peut-être que tu as réussi à résoudre des cas où vraiment, enfin, ils ne pouvaient pas entre guillemets te ken, quoi, te scam. Et du coup, maintenant, ils se disent, OK, bon, lui, c'est pas grave, il nous prend de l'argent, mais on ne le limite pas. Je sais pas, qu'est-ce que ça tient debout, ce que je dis. Qu'est-ce que tu en penses, Serge Abitbol? Mais en tout cas, c'est des bombes. J'ai pas beaucoup réagi vers la fin de vidéo, mais c'est quand même énorme. Tout ce qu'il dit, c'est juste à écouter et c'est incroyable. Et à savoir que moi, ce que je vais coûter en consommateur, c'est pas ce que coûte l'avocat de l'opérateur. L'avocat de l'opérateur va coûter 4-5 fois plus cher Bien que sûr, moi. Ouais, ouais. Donc, si vous êtes sur un litige à 2 000, 3 000, 4 000, enfin même en dessous de 10 000 euros, l'avocat va coûter de l'opérateur va coûter deux fois le montant. La dissuasion va être de l'autre côté. C'est ça. Donc en fait, moi je dirais qu'il faut évaluer et ça en fait il y a que l'avocat qui peut vous le dire au final, de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ça c'est quelque chose que vous faites vous par exemple. Toujours. Si quelqu'un a quelque chose, il vous envoie un mail, il explique à peu près sa situation. Je lui dis là ça vaut pas la peine, ça va coûter trop cher pour vous. Le litige il est déjà trop risqué. Enfin il y a pas beaucoup de chance ou voilà. Mais après je sais que moi j'ai des clients. Peu importe le montant, ils ne veulent pas se laisser faire par un bookmaker parce qu'ils pensent que c'est une question d'honneur. On joue à un jeu, il y a des règles et puis l'autre en face ne respecte pas les règles. Voilà, faut trouver un avocat qui fait respecter les règles du jeu. Quoi. Donc du coup, le petit côté négatif ici, c'est que finalement, j'ai l'impression que pour un petit litige, à part bien sûr si on veut sauver son honneur, on va dire aller jusqu'au bout ce qui se comprend aussi, hein, mais du coup, financièrement parlant, il n'y a pas grand chose à faire d'intéressant. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, c'est l'objectif. Si c'est quelque chose à laquelle je réfléchis actuellement, c'est d'essayer pour les petits litiges d'essayer de regrouper
de regrouper les gens, les personnes pour des litiges qui seraient identiques face à un opérateur, mais c'est un cours d'exploration pour D'accord. vraiment pouvoir aider tout le monde, parce que c'est vrai que ça met de côté pas mal de gens, et la répétition par certains opérateurs, ça peut être aussi. Que 200 euros pour quelqu'un, mais 200 euros fois 100. C'est ça. C'est ça. Et finalement, personne ne puisse partir en voilà. justice, parce que tout le monde a 200 euros de litige. C'est ça. Et que dans la globalité. Et sur ça, on ne peut pas compter sur l'ANJ ou son médiateur, on ne peut pas compter sur grand monde. Et c'est dommage que voilà, le système judiciaire ne permette pas de ce genre de choses. Quoi. Bien voilà. sûr. Donc voilà, je réfléchis activement à trouver des solutions pour, sans être péjoratif, pour les petits parieurs sûr, ouais. qui puissent avoir gain de cause ouais. sur voilà, pas se laisser faire. Ok, c'est parfait. Bah, si ça sort, voilà. vous tiendrez au courant. Sûr, ouais. On mettra le lien ouais. dans les commentaires de la vidéo. Ouais. Écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour, Maître Escande. Hein. J'ai fait le tour des questions, donc pas mal de choses en tout cas. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose pour la... Non, c'est avec plaisir. Enfin, c'est déjà été un plaisir. Merci pour cette vidéo. Après, moi, je sais que je voilà. Si vous allez choisir, enfin, quand vous allez au contentieux avec un opérateur, essayez d'aller voir un avocat qui va vraiment vous expliquer, qui connaît le sujet, qui va vous expliquer tout ce qui peut se passer bien au sûr. Fur et à mesure, de la transparence, de la visibilité, parce que on est sur du retour d'argent. Il faut comprendre sûr. Ce que ça va coûter. Voilà, faut pas hésiter à poser les questions. Je pense que c'est légitime. Et moi, c'est vrai que je suis partisan de ne pas laisser faire les bookmakers. Il faut essayer de se regrouper, bien sûr. De parce que c'est votre argent. On vous promet quelque chose. Mmh. Et voilà, une promesse, ça se tient. Ouais. Et puis plus on se bat, effectivement, moins il y a d'abus derrière. C'est ça. C'est essayer de réguler. C'est une autorégulation qui peut se faire par le consommateur, par des plaintes, par voilà, des anormalités qui bien sont sûr. Soulevées et qui sont généralisées, qui doivent plus exister. Voilà. C'est en ça qu'il faut faire avancer les choses. Voilà. Bah, en tout cas, merci, hein, Maître Escande. Ouais, merci ouais. d'être passé là à Montréal, parce que c'est une ouais. vidéo depuis Montréal. Ouais. Et puis, moi, en tout cas, ce que je peux recommander, j'ai rien à gagner à vous faire de la publicité, ouais. mais c'est vrai qu'on travaille ensemble quand même depuis 6 ans maintenant, ouais. Que ça se passe extrêmement bien, et j'ai toujours été satisfait du travail qu'on a fait ensemble. Donc, c'est toujours un plaisir. Et quand même préciser que vous êtes quand même l'avocat numéro 1 de référence, en tout cas dans les jeux d'argent, je poker, paris sportif en France. Mmh. Donc, c'est vrai que de mon point de vue, en tout cas, moi, je vous avais découvert, je vous avais vu il y a 6 ans quand j'avais ouvert Parieur Pro, je vous avais découvert chez Laurent Ruquier, vous étiez passé sur un plateau télé, parce que c'est vrai que vous faites pas mal de médias. Et c'est là que je m'étais dit, bon, il faut que je travaille avec Maître Escande, et sans regret jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Donc, voilà. En tout cas, j'aurais tendance à vous recommander pour ceux qui ont des litiges comme ça, ou même des questions, et voir après avec vous si ça vaut le coup pas d'aller plus loin. Donc voilà, merci Maître Escande, en tout cas, c'était un plaisir. Merci David, merci. De mon côté, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur YouTube, ou à très vite sur le club privé Parieur Pro. Salut à tous, ciao. Eh ben, c'était incroyable, hein. Je sais pas si on peut avoir son contact à lui. Par son nom, franchement, c'est dommage qu'il lui a pas mis un contact pour une pub ou quoi. Enfin, quand même, dans cette vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Maître Escande. Ok, c'est l'avocat. Putain, il lui a même pas mis un... C'est pas ouf, ça. C'est pas ouf. Ah bah, t'es Ben Bet, le scammer, là. Le scammer avec le sab. Incroyable. Qui est là dans les commentaires. Bon, il y a du monde, hein. Pescador, j'ai trouvé le lien. Le lien de quoi? Je vous ai envoyé le lien de la vidéo, d'ailleurs, dans le chat. Hein. Je peux vous le remettre ici si vous voulez revoir la vidéo. Franchement, incroyable, la vidéo. Oui, t'as le nom, ça doit être facile. Mais franchement, il aurait pu au moins lui foutre un contact. T'as trouvé le lien pour l'avocat. Oui, mais non, mais entre nous. Au moins, je sais pas, son email pro ou quoi, si vous souhaitez le contacter, j'en sais rien. Il check forcément ses emails, mais il aurait pu mettre, voilà, Maître Escande, deux points, son contact pour le contacter, voilà, pour professionnellement, enfin, t'as compris, enfin, voilà, un truc bien, bien écrit avec son contact pour être là, tu vois, enfin. Bon. Ok. Non, c'était énorme. Ah. Ouais, écoutez, franchement, là, ça fait plus de 2 heures de live. Plus de 2 heures de live, franchement, c'était cool. J'ai beaucoup aimé le stream d'aujourd'hui et d'hier. Hein, d'ailleurs, vous pourrez retrouver tous les replays sur ma chaîne YouTube. Donc, allez-y. Vous avez tous mes réseaux sociaux à peu près ici, je pense. Donc, voilà, allez me suivre sur YouTube, ça peut faire plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager aussi mon contenu. Voilà, si vous kiffez mon contenu, les gars, le meilleur moyen de me soutenir gratuitement, c'est clairement de...
Pardon, désolé, il y a eu un bruit. Yo, Suspicious Game, t'arrives vers la fin. C'est cool. Merci d'être là. Mais en tout cas, non, mais là, la vidéo, elle était incroyable. Donc voilà, vous retrouvez tous mes replays là-dessus. Vous pouvez rejoindre mon Discord. Je vais peut-être le modifier encore, le Discord. Il faudrait que je trouve un moyen. Il y a peut-être trop de salons. Et vu que mon Discord, il est clairement pas assez actif, il faudrait que je trouve un moyen pour qu'on arrive à échanger à peu près tous les jours dessus. C'est vrai que ça serait quand même le but. Que ça soit sympa, peut-être que je ferai un peu comme certains Discord, je sais pas, comme Richou, peut-être faire juste un seul salon de discussion et on écrit tous là-dessus. Je pense que c'est, en vrai, je suis en train de me poser la question, voir si c'est pas ça le mieux en fait. Laisser juste un seul salon de discussion où les gens peuvent écrire et le reste non, enfin le reste soit, voilà, ça peut être ma promo, ma pub, enfin mes réseaux sociaux je veux dire, live Twitch alert, peut-être que je vais faire ça, franchement je pense que je vais changer le Discord parce que j'aimerais bien trouver un moyen de le rendre actif et au moins ça permet que hors live, bah voilà, sur le Discord, voilà, il y a un groupe de discussion, on discute et basta, même si c'est du poker, paris sportif, ou alors peut-être aller un salon paris sportif discussion et un poker discussion, au moins il n'y a pas, voilà, au moins c'est quand même séparé parce qu'il y en a plein, voilà, je me doute qu'ils font que du poker ou que du paris sportif et voilà, et du coup ils sont intéressés que par l'un ou l'autre, donc forcément ça serait relou, voilà, qu'il y ait un truc de discussion, que ça parle poker alors que le mec il est intéressé que par les paris sportifs ou inversement, et du coup voilà, franchement sur cette vidéo c'est incroyable, hein. Franchement je vous dis, cette vidéo react elle a été incroyable. Un peu longue, hein, forcément, vu qu'elle dure là, ça fait plus de 2 heures qu'on est en live. Un peu plus de 2 heures. Mais alors, franchement, c'était incroyable. Merci pour le raid Pokénroll. Qu'est-ce que je pourrais dire, je vais essayer de streamer, je pense, d'ici fin de semaine. Peut-être stream, ça serait bien. Je vais lancer un stream, ça peut être cool. En mode sur ma chaîne YouTube plus Kick. En mode. Ouais, très fort, maître Escande, ouais, vraiment fort. Et là, il nous a rassuré sur plein de points. Hein. Franchement, moi, ce qui m'a le plus tué, c'est clairement le... Ouais, est-ce illégal pour un parieur de se créer un compte sur un bookmaker hors argent ou via un courtier broker? Non. Voilà, est-ce illégal? Non. Voilà. Par contre, voilà, ça peut être dangereux pour l'opérateur. Et sachant que Asian Connect, qui est le broker le plus fiable du marché pour se créer un compte sur Pinnacle et Betfair, il existe depuis 12 ans, il n'y a jamais eu de problème. Autant vous dire que... on est tranquille. Hein. J'ai clairement plus confiance à un broker, enfin à Asian Connect, on va prendre l'exemple que de Asian Connect, allez, pour ça, j'ai bien plus confiance en Asian Connect que par exemple à des bookmakers hors argel, style Stack, MyStack et tout. Donc voilà, et en plus c'est indispensable si à un moment donné tu veux gagner de l'argent en paris sportif, ou du moins moins perdre, parce que forcément hein, que sur le .fr, ben, c'est clairement indispensable. Moi c'est simple, hein. Allez, j'ai envie de dire 90% de mes paris perso, donc ce que je prends pour moi, vont être hors code boosté, évidemment, parce que ça, c'est sur le .fr, mais en gros, 90% de mes bets perso vont être sur PES3838, mon compte DreamBet, Orbitix, donc voilà, donc via des brokers, en tout cas. Ça, c'est vraiment 90% de mes bets perso, voire en vrai, voire plus, mais bon. Et voilà. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, passez un excellent week-end. Je vais essayer de faire un stream, soit demain, peut-être demain en mode recherche de value, en direct, en multi-stream sur ma chaîne Kick plus YouTube, voilà, pour gagner en visibilité et tout. Et voilà, faire des recherches ensemble, et du coup ça va être intéressant même pour ceux qui parient, se partager des infos en live sur des matchs, par exemple si je pense qu'il y a une value sur telle cote ou autre. Faut savoir que moi, j'utilise énormément tout ce qui est... voilà, j'ai des modèles personnalisés, des algorithmes. Mais voilà, mais tout ça ne prend évidemment pas en compte. Voilà, ça reste que des statistiques, c'est des mathématiques. Mais ça prend pas en compte, évidemment, s'il y a une info du style, bah voilà, putain, il y a un problème au club. Il y a un problème au club, je sais pas, l'équipe va faire tourner, machin. Évidemment, forcément, ça, c'est des infos que tu ne maîtrises pas avec des algorithmes, si je peux le dire ainsi, même si, bon, tu pourras peut-être le maîtriser... avec beaucoup de moyens, mais bon, vous avez compris l'idée. Et du coup, bah merci Pescador, bonne journée à toi, à bientôt. Et voilà, vous retrouvez ce live sur ma chaîne YouTube, donc allez-y. On est plus de 100 maintenant, ça y est, ça fait plaisir. Et écoutez, moi je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez me contacter en MP via Insta, via Discord, via mon Telegram aussi, il est dans mon lien Linktree, Telegram. Twitter même, vous pouvez m'envoyer un MP, enfin voilà, enfin, franchement si vous voulez me contacter, a priori c'est assez facile, peu importe le moyen que vous préférez, et écoutez, moi sur ce je vous souhaite un excellent week-end,
Excellente soirée. Et là, cette semaine, je ferai en sorte d'assurer les 4 lives, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 16h. Tu veux pas prendre un avocat pour te faire délimiter, toi? Mais là, moi, je suis plus limité sur. Parce qu'en fait, j'ai été délimité et je vais prendre très peu de bêtes. Moi, pour le coup, je suis plus, depuis Noël, en tout cas, par rapport à Winamax, je suis pas limité. Mais bon, en même temps, j'ai pris aucun bet chez eux, à part les codes boostés limités à 10 euros, codes boostés à 50 euros. Et voilà, et fait quelques promos. Notamment enfin, via les dépôts et tout. Donc voilà. Enfin, de toute façon, non, pour te faire délimiter, tu te fais quand même limiter sur le point FR, peu importe. Enfin, quasi tout le monde se fait limiter si vous leur prenez de l'argent. Et de toute façon, bah, voilà, moi je bet exclusivement maintenant, du coup, sur des bookmakers qui ne limitent pas. Pinnacle, Betfair. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.